Léo et Max, les spécialistes des gros fruits. <laughs> Ça commence très mal. On va conclure ce live. Merci d'avoir <laughs> été là. Je, ne, je me dis aussi de cette personne en rouge que vous venez de voir popper <laughs> sur, euh, sur le live. Voilà. Je ne connais pas. Je connais pas oh. ce, cet, cet individu. Après, après, cet après, individu. Bon, on ne connaît pas qui est de vous. Après, euh... il a dû se perdre avec Mario Bros vu qu'il a le il a le sweet. Euh, ça force de traîner ça. dans les tuyaux, ça, à mon avis. Dans les tuyaux. Les ça, tuyaux euh, sombres. Effectivement. Effectivement. Non, mais c'est vrai, on en est à notre quatrième live basé sur les fruits du démon. Si vous venez euh, okay, d'arriver sur ce concept et vous dites qu'est-ce qu'ils font, parce que vous avez cliqué, parce que vous avez vu le. Déjà, film. si le gars il clique, fait, il fait qu'est-ce qu'il veut. Le le concept est simple. Euh, on veut et on a décidé de revenir en fait sur tous les fruits du démon pour essayer d'isoler, in fine votre fruit préféré, le nôtre aussi. La Donc, poivre. on avait voulu commencer par les euh, Paramessia, et puis ensuite, on voulait faire les OAN et les logias sauf que bon on a, on a remarqué qu'en fait, ils étaient nombreux, euh, les fruits. Donc, euh, ça a valu trois lives dédiés aux Paramessia. Donc, on revient un par un, plus ou moins rapidement, en fonction de l'intérêt du fruit. On essaye de revenir sur l'intérêt de, de, de chaque fruit. L'intérêt euh, commun. On a fini les Paramessia. Et là, on va enchaîner les oines Et du coup, au bout de quatre lives, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est spécialiste des fruits. Ouais, on essaye, on essaye. Ah d'ailleurs, merde, j'ai pas la merde. page des oanes. Je te l'envoie. C'est embêtant coup, pour tirant. faire un je live. La mets, euh, du coup. Euh, alors, la page, je vous la mets du coup. Dans le chat, vous pouvez l'ouvrir en, en parallèle si vous êtes sur ordinateur ou si vous avez la possibilité d'ouvrir quelque chose. Euh, euh, bon, pas des portes, hein, mais en tout cas euh, des liens. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps, puisqu'on va se baser sur le wiki euh, qui. Euh, Reprend les spécificités de chaque, fruit, wiki, de wiki, chaque... Eh, eh, wiki wiki Hey eh, eh. Hey eh, eh. Hey Hey Bon vous allez voir on est un peu en mode euh, c'est la blagounette ce soir je pense que vous allez rigoler euh, parce qu'il y a des lives ça se sent ça se sent euh, là ça fait deux minutes moi, moi je peux te le dire c'est pas moi qui ai commencé <laughs> en plus, hein, écoute je... Euh, moi je non j'avoue j'avoue je fais mon mea à pas mais bon en plus je suis sur le wiki là je vois la première page quand Je vois qu'on commence par un bison, qu'après euh, quatre pages après il y a Mogu Mogu, euh, là une tête, euh, et puis après tu as, as un chien avec un moukil. Je me dis, cela il va mal se passer, mais euh, euh, par contre, euh, ça va être marrant. Faut descendre longtemps dans la page. Hein. J'espère que vous avez du temps et du courage et une bonne connexion parce qu'il faut descendre aux trois quarts de la page pour voir le, la liste des fruits. One donc euh, on va commencer directement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont regarder la Rodif. Et que ouais. euh, voilà, si le live est trop long, ils vont commencer à 10 minutes de live, ils vont se dire bon, il n'y a toujours pas de fruits du, du, du démon zoan. Alors, donc je suis pas euh, bien. -ce fait Ça c'est Philippe. Juste Ouvard avant qui fait... de, <laughs> juste avant de débuter. Non, mais en vrai, deux choses importantes. Un, ce sera que les fruits canon. On n'a vraiment pas le temps de commencer à taper les HS et tout. Sinon, il y a huit lives. Et deuxième point, vous l'avez sur la miniature, sur le titre et, et sur le overlay en tout petit. On va commencer par les zoans naturels. Ce qui veut dire qu'il y aura les un Zohan. deuxième live. Euh, ce seront les fruits donc les zones artificielles voilà comme ça on décompose on, on a vu tout de suite qu'il y en avait trop donc effectivement on y va sans plus tarder parce que les zones naturelles sont beaucoup plus nombreux que les artificielles donc euh, bah, je te commence par, par commencer par un bison euh, voilà un commence bison. pas par, par me commencer déjà ça c'est <laughs> <trucs. rire> le premier euh, <ushi, rire> truc le bushi <laughs> le ushi. Bison de Dalton Dalton non euh, mon je suis Dalton je suis <laughs> Tousonnet Dalton, c'est le gars qu'on croise à Drum. Voilà, sur l'île de Chopper, c'est le gars euh, avec ses armes. C'est quoi ces armes Est-ce que c'est expliqué C'est quoi ces armes euh, Pas ses armes clones. On va pas Tu veux savoir quoi comme quoi c'est ses attaques Ces armes <laughs> tu bah avec quoi il se bat quoi Il se bat, il se bat pas mais lui il me semble. Bah il se bat avec... une sorte de hache qu'il utilise Il me semble que c'est une sorte de hache mais ça doit avoir un nom ce truc. Attends, je vais aller voir sur la page de Dolton, de, de, de il va peut-être être noté. Mmh, je suis ton, moi. Anniversaire... Alors... C'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il se bat avec une pelle à tarte hein, sur la figurine. Rappelle-toi euh, une sorte de. Ouais, de... Bah ouais, à neige, ouais, ouais. Hein. une pelle à neige, nous dit euh, Smith. En plus, Smith. le disais euh, pour rigoler. Eh, euh, mais c'est peut-être une pelle. Il utilise à neige. une épée circulaire très tranchante. combinée à ses pouvoirs, il peut combattre sans difficulté un groupe de soldats. Voilà, c'est ça son arme, une sorte de pelle à neige affûtée. On va dire ça. Comme ça. Ok. Voilà. Euh, du coup. Il a le fruit du bison. uchi no donc c'est le modèle. Enfin, c'est no à la base. C'est un peu comme le hito, -hito no mi, pour expliquer bien. hito hito no mi. Hito en japonais, c'est une personne. Donc, celui qui a le hito hito no mi, il a le fruit de l'homme, avec un grand H. Mais, mm. il y a des déclinaisons. Il y a le Hito-Hito-Nomi, modèle euh, euh, Nika, donc mm. euh, le fruit du dieu du soleil. Qui est le fruit de l'homme, modèle Dieu du Soleil, le Hitohito no Mi, modèle Daibutsu, je crois, le Grand Bouddha, euh, qui est celui de Sengoku. Et là, on a un Ushi Ushi, donc le fruit du bœuf, voilà, bœuf ou vache, c'est le même kanji. waouh wow ouais, le fruit du bovin. Merci beaucoup pour le sub. qui s'est passé? C'est bas, c'est bas? C'est les masque. J'ai rien reçu, moi. Ouais, Mais bah, ai l ai, je l'ai vu trop petit, bah, tu le verras. Je vais, essayer de... ah, je vais zoomer les notifs parce que là, je vois rien. C'est peut-être parce que j'ai diminué la taille de l'écran, désolé. Merci beaucoup pour le... la notif. Et le sub. Du coup, modèle bœuf, vache, bovin, quoi. En gros, on mmh. traduira par bovin. Modèle bison. Et le bison, effectivement, euh, est un animal euh, qu'on retrouve en Amérique. C'est le cas, il faut faire le, <laughs> le lexique. Et je, je trouve qu'il qui si est bien à, à Dalton en fait, parce qu'il a ce côté mmh. un peu bourru tu vois le gars, et voir ce fruit sur ce personnage, je trouve que c'est en adéquation, autant t'as des fruits tu vois qui sont pas forcément en adéquation avec la dégaine des personnages mais qui viennent là pour renforcer ou pour donner un pouvoir ridicule etc, lui en fait c'est parfait, quel autre fruit tu lui aurais donné quoi en fait, quel autre fruit non, non, mais je suis totalement d'accord. Physiquement, en tout cas, euh, c'est vrai que Dalton. Déjà, tu le vois, il parle comme ça. Tu ne tu, tu donnes pas une voix à la pika, tu vois. Il a le physique euh, d'un mec qui fonce dans le tas, à limite d'un rugbyman. Mais je ne dis pas ça en mode délire. Hein, je, vraiment, tu vois, c'est le mec, tu vois, il, te, il fait 2m20, je crois. Il te, donc, oui, lui donner le. Le fruit du bison euh, dans notre euh, inconscient, euh, cest que le bison a tendance à avoir vraiment cette, euh, tu vois, cet animal bien, bien costaud et tout. Je suis d'accord, ça, ça colle de ouf euh, au, au perso. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ce fruit est bien en tant que tel si on devait l'avoir dans la vie de tous les jours, ce fruit. Eh ben, écoute, il serait, pour moi, il serait utile si tu pouvais euh, effectivement euh, galoper euh, tranquillement. Mais le, le souci, c'est que lui, il a le fruit du bison mais dans la neige. Le bison, on l'imagine, tu vois un peu courir les, euh, les plaines et tout ça euh, aux états unis ouais. Là, le gars, je ne sais pas comment il fait dans l'année, il doit avancer à deux à l'heure. Donc euh, autant c'est une adéquation avec lui, autant avec le paysage, euh, je sais pas. Mmh. Donc je dirais que ça dépend en fait de la région dans laquelle tu habites. Si vraiment tu habites mmh. dans les plaines et tout est dans un milieu reculé et tout est une maisonnette au milieu de nulle part, comme dans les films américains et tout ça. Ouais. Maintenant au quotidien, bon. En forme hybride, oui, tu... si tu veux faire le déménageur et tout, c'est pratique. J'avoue que si tu veux faire le déménageur, ça peut être, Mais ça peut être sinon, pratique. En tout cas, euh... il doit mettre de sacrés raclés à ses adversaires. Et petit fun fact, avant de passer au suivant, parce qu'il y en a beaucoup, hein, donc pour éviter que vous ayez un live de 3 heures, il y a un bison américain qui était gardé au zoo de d'Obishiro à Hokkaido. Il a été nommé Dalton, en japonais, du coup d'après Dalton, justement, en hommage à One Piece. Et il a été du coup, un bison célèbre jusqu'à ce qu'il disparaisse en 2020. Voilà, petit, petit fun fact, euh, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, effectivement. GG euh, d'Olton, voilà. du coup. Le prochain, c'est Chopper, avec le Hito, -hito no Mi. C'est pas Chopper en lui-même, c'est le fruit, mais on va forcément aborder le sujet de Chopper, c'est quand même l'un des personnages les plus importants de One Piece possédant Azoan. Donc, Hito, -hito no Mi, modèle, il n'y en a pas. C'est juste bien. le Hito -hito donc, c'est le fruit ouais. de l'humain qu'il a, euh, il a le fruit de l'homme, car Chopper n'est pas un homme. Chopper est un reine qui a mangé le fruit d'un homme, et c'est pour ça qu'il est humanoïde et qu'il se transforme en homme, et qu'il a plusieurs formes, forcément. Ouais. Euh... Bah, pour nous, il est, il est useless, en fait. Bah pour, pour nous, il est tout à fait useless, mais il y a toujours une question qui réside au fond de nous c'est que se passerait-il si un homme normal mangeait le fruit du phytophytonomie, en fait est-ce qu'il aurait euh, la possibilité de se doper euh, comme le fait euh, Chopper et tout Mais c'est souvent c'est euh, les pointo les Rumble Balls qu'il utilise aussi qui lui permettent de, de se doper physiquement. Euh... Bon, les Rumble Balls, elles sont dues au fait que c'est un médecin et c'est bien expliqué oui. que comme c'est un Zoan, euh, il, a, il a, comment dire, il a peut-être. Métamorphoser, c'est pas le mot que je veux, j'ai un autre mot. Métaboliser euh, Métaboliser peut-être, oui. Euh, ce qu'il faut pour transformer un zoan. Il l'explique, et pas qu'un zoan, même un animal, puisque euh, il le donne également aux minx. Euh, donc, euh, un, un moment donné, où il apprend avec les minx, je sais plus ce qu'il fait. Mais il me semble qu'il. Attends, si il donne une rumble ball à Bepo, oui, il donne une rumble ball même à la Bepo. C'est à Bepo, Bepo qu'il la donne. Mmh. J'ai pas, j'ai pas rêvé. Donc, non, non, t'as pas, pas rêvé. Donc ça veut bien dire que quelque part il y a cette, cette euh, ce lien entre les animaux et euh, également les animaux anthropomorphes que sont les mix qui sont vraiment euh, des animaux, eux, à forme humaine, mais euh, sans avoir mangé de fruits. Donc Chopper a étudié ça. Donc j'imagine que ça peut marcher sur les Minx ça peut marcher également euh, avec euh, les humains, puisque les humains on explique dans One Piece que c'est des mix. En fait, les mix et les humains, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas des mix. Si, c'est des mix. Mais euh, modèle singe sans poils. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, j'ai bien, bien compris. Et puis de toute façon, euh, regarde si même on prend le monster point, hein, on va dire la forme euh, horrifique, euh, monstrueuse, de, 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 de chopper. Il a physiquement ses attributs euh, de, de reine. C'est juste qu'il se tient sur deux pattes et qu'il fait euh, 15 mètres de haut, le gars, tu vois. Bien sûr. Donc je me dis, nous, on aurait le même, la même capacité à pouvoir se. Ce... De devenir un mec de 15 mètres qu'une euh, musculature peut-être que tu vois les cheveux seraient euh... un peu comme un géant quoi. Un peu, tu vois, genre Shingeki no Kyojin tu vois. il y a peut-être mmh. moyen d'avoir un pseudo délire dans le genre après euh, faut il faut qu'il y ait vraiment attributs. une transformation j'imagine, parce que moi je me pose une question Et Oda il a établi ce truc de ouais euh, les humains en fait c'est des minx mais euh, c'est des singes sans poils mmh. mais les minx qu'on voit à Zo ils peuvent se transformer à la pleine lune les humains, non Ouais. C'est vrai que c'est assez flou euh, le, le la barrière entre ce que ça peut nous apporter à nous, de parce que Oda nous dit et de par nos particularités euh, de base où effectivement nous à la pleine lune on se transforme pas quoi, sauf si t'es loup garou. Et si je descends, mettons dans le château, est-ce qu'il y a des futilités qui auraient été expliquées Wow, Kenny Kenny, qui offre 5 souscriptions. Oh, merci, mon Kenny. À So, merci. à Sharon, à Krish, à Jamelou et à Lily. Merci beaucoup, Kenny. Tu gères. Voilà, il s'affiche. Quel beau gosse, Kenny. GG. Bisous sur toi, frérot. Je suis en train de regarder. J'essaie de lire en diagonale. Euh, le Et voilà. La forme hybride des humains qui mangent un fruit du démon de type Zoan est généralement la plus grande, plus grande même que les formes humaines et entièrement animales. Dans le cas de Chopper, c'est le contraire, la forme hybride est plus petite que les deux autres. Oui, la forme hybride de Chopper, c'est la forme minuscule. Puisque ouais. souvenez-vous, il a une forme reine, euh, oui, voilà, c'est la forme à quatre pattes. Il a la forme euh, totalement humaine, qui est la forme euh, debout, où il ressemble à un Yeti. Donc, la forme hybride, qui est censée être chez les Zoans habituels, le truc le plus puissant, genre Kaido, forme hybride, tu l'imagines avec ses pattes de dragon et avec sa matraque et tout ça, enfin son canabou et tout. Bah, dans le cas de Chopper, c'est la forme mignonne en fait, c'est la mascotte, la forme hybride. Hmm. Ah, j'ai un truc. Oda a déclaré que si c'était un être humain qui avait mangé ce fruit, il serait éclairé. D'accord, comme un éveil quoi. Ce serait comme un éveil hmm. pour lui, bon, ça rien, autant dire. Ou alors. Un peu il... comme le, 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 le modèle d'Aibutsu, c'est tu sais, qui permet. Ouais, où il serait éclairé, tu Bouda. vois, en mode révélation, et bim, il peut utiliser des capacités d'un seul coup, tu vois. C'est dans l'ESBS tome 20. Okay. Je regarde s'il a pas dit autre chose rapidement, parce que. Bon, il y en a, on ira vite. Là, c'est parce que c'est Chopper, donc c'est vrai qu'il nous intrigue un peu plus, Chopper. Euh... Je regarde un petit peu, tu vois, que le week-end ils auraient juste mis une phrase et qu'en fait, bon, il y a un peu plus à. Et Benji. Il y a Smith qui dit Ce fruit rend intelligent, mais pas comme le fruit de Vegapunk qui se souvient de tout, mais je suis pas sûr de l'info. Je te laisse, un meuble, hein, parce que j'essaie d'aller vite pour pas perdre de temps. Mais je travaille pas, pas chez Ikea, donc je pourrais pas. Sinon, j'aurais pu, mais là, malheureusement. Alors, plus, attends, euh... que faire si une personne humaine mange un fruit hito-hito Ah, oui Nous nous demande quelqu'un. Je suppose que je devrais dire qu'il va devenir humain, nous dit Oda. Enfin, je crois qu'on peut dire que ça signifie comme devenir un adulte ou trouver votre véritable esprit ou quelque chose du genre. Donc, fondamentalement, les gens vivront plus comme un humain. Bah, je suppose que vous pourriez le dire ou pas. En d'autres termes, non, oui. Okay. Bon, rien dire donc, déjà, que... la traduction, là, elle a l'air éclatée de ouf. Éclatée au sol, sa mère, ouais. Mais euh, là, en tout cas, on ne nous parle pas d'éclairer quelqu'un, donc. Euh... Bon, au pire, il va l'éclairer dans la nuit. Tu prends une lampe de poche. Bon, bah écoute, je, moi, je ne trouve pas. Donc, tant moi, je te propose qu'on qu dise que pour un homme, pour un humain avec un H, pour un homme, on ne hein, <laughs> sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on va euh, voter, on pas. non pas voter, mais beauté en touche. Et on va partir sur le toli tori no mi. Vous avez évidemment toujours les liens dans le chat. Hop, je vais vous le mettre. Oh, Bruno, merci beaucoup. Bruno, oh, Bruno. super chat Bruno il dit Yo, rien à voir avec le live, mais j'ai une question, vous faites plus Eden Zero. Alors pour l'instant Eden Zero ça en pose parce que les ayants droit au Japon, notamment Kodansha, Shueisha et d'autres euh, sont graves vénères sur tout ce qui est euh, les euh, mises en ligne de manga. Et vu que nous bon, nous ça va, puisque on, on faisait les les, comment on ça, les vidéos Eden Zero à partir des chapitres sortis. Donc, c'était pas du leak ou quoi. Mais, dans le doute, comme on utilisait les pages, bon, on était précautionneux, etc. Et puis, les lives étaient forcément pour ceux qui avaient lu le chapitre, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, vaut, vaut mieux quand même pas. Enfin, euh, vaut mieux être. Euh, bah, jouer euh, avec le feu, quoi. Voilà. Parce que. On euh, veut pas euh, que la chaîne elle euh, saute, ce euh, serait con. Surtout qu'en bah, ce moment, on, on sait que Kodansha a déposé une plainte contre euh, les leaks. Ouais. On n'est pas on des liqueurs, un, on s'en fout, donc euh, nous, ça ne nous concerne pas. Mais, ça veut dire qu'ils sont énervés. Donc, on va pas les énerver davantage. Bruno Bah voilà, la notification de Bruno qui s'affiche. Merci beaucoup. Donc, on verra un peu comment on peut faire ça. Est-ce que si ça ne se calme pas, peut-être qu'on devra le faire, mais pas la méthode... Comment Une dire La méthode là, je... La méthode quoi Non, on, on fera en fait. Euh, bah, vous, vous lirez en amont, on fera des débriefs histoire d'en parler ou je sais pas. Mais euh, comme le docteur, on n'a pas encore de réponse. Mais euh, ça m'étonnerait vraiment fortement mmh. qu'on revienne à l'ancienne euh, formule euh, qui nécessitait de vous montrer les pages. C'est un peu trop dangereux, vraiment très 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 beaucoup dangereux. Donc euh, on verra. Voilà les amis. Comme dirait Michael, par it's dangerous. Yeah. On va passer au tori tori, j'en ai parlé tout à l'heure, tori en japonais c'est oiseau, donc c'est tori tori no Mi, c'est le fruit de l'oiseau. On imagine qu'il y en a plusieurs et je pense qu'on en verra plusieurs, mais celui-ci c'est le modèle faucon. Voilà, Hayabusa, Falcon. Et c'est le fruit du coup de pelle, Pelle, le fameux survivant, le survivor, celui qui survit à l'explosion d'une bombe à bout portant à Alabasta. Je crois qu'il restera comme ça dans l'histoire de One Piece le pauvre. Le bras droit, du hmm. de de Vivi. C'est un putain bah, de allez, bon fruit, en vrai. Hein. Si tu veux euh, bah, tu, un peux bah, tu peux voler. T'es rapide, efficace. Et euh, en plus de ça, euh, tu vois, il a des serres euh, en tant qu'assaillant pour des attaques et tout ça. C'est génial. Mais il est super, ce fruit, en vrai. Bon, contre Robin, il sert à rien, vu qu'elle te fait son machin de fleurs et puis elle ouais, te fait pousser bien et sûr. elle t'éclate. Mais il est pas mal, franchement. Bah, ils disent, tu vois, euh, et ça va résumer ce qu'on vient de dire, euh, le Tolitolinomie est l'un des cinq pouvoirs découverts permettant à celui qui le mange d'acquérir entre autres la capacité de voler. Le principal atout de ce fruit, effectivement, voler, euh, permet sous sa forme animale ou hybride d'augmenter la vitesse, grande force physique, et peut porter une ou deux personnes sur son dos et peut également transporter de très lourdes charges. Yes! Pratico-pratique de ouf dans la vie, ce... C'est ce vrai qu'en qu plus, Pelle, il grossit de ouf quand il euh, se transforme en forme ouais. euh, animale. Moi j'aime bien, tu vois. Tu imagines, tu es là, tu dis punaise, faut faire un truc, bah, tu te transformes, gros faucon, pff, tu t'envoles. En vrai, tu vois, ça, là, as un, tu as un intérêt, en fait, à avoir ce fruit pour te mouvoir. Euh, tu as besoin de porter une charge lourde. Non, il, il... moi, il me plaît bien, en tout cas, euh, ce, ce fruit. Ouais, J'y un intérêt. Vois. Merci Nico pour ton, ton petit message par rapport au chapitre. Euh, et coucou Jérôme, qui assiste à un live en direct pour la première fois, n'hésite pas à participer. On était du coup sur le Tolitoli no Mi, mais tu vois, c'était vite expédié, ce qui va nous permettre de passer rapidement sur le mogumogunomi. Mi, un fruit que tout le monde adore, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est le fruit fouisseur, ils ont appelé ça comme ça en, en français. Mogura, en japonais, c'est une taupe. Donc, c'est le fruit de la taupe, c'est le fruit de Miss, comment s'appelle-t-elle, Miss Merry Christmas. C'est la ouais. grosse dame avec ses cheveux frisés qui. Euh, qui est en compagnie de Mister Four à la basta. Mmh. Et euh, c'est le fameux combat contre Toussop où Sop, il se mange un, une batte de baseball dans la gueule. C'est ça. Bon, euh, on nous dit, peut, ça te permet de te transformer en top, euh, ou forme hybride humaine top, peut creuser des tunnels, euh, voyageant ainsi dans tes tunnels sans problème et plongeant dedans comme dans une piscine, peut peut se servir de ses griffes aiguisées pour attaquer, suffisamment résistant pour pouvoir foncer dans un mur sans se blesser et détruire le mur à la place. Les tunnels qui Normal. sont créés sont suffisamment larges pour être utilisés par ses alliés. Mais j'y pense. Euh, Elle peut faire s'effondrer ouais. faire des, des, des immeubles et des endroits. Elle peut ravager des villes. Ah ouais, 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 carrément. Ouais. J'avais ouais. pas pensé à ça, Moi, mais ouais, ouais, ouais. Je suis, Alors, c'est le fruit qui appartient à une meuf du Baroque Works, mais clairement, il serait très utile aux révolutionnaires, je me dis. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ah, ouais. qu'Oda, il a filé un fruit assez similaire à Mo Comment il s'appelle? Morgli, Morglé, Morlé, Morlé, un Mor Morli ou Morlé, ouais. peu importe comment tu le prononces. Parce que ce gars, c'est pareil en fait. Il peut s'enfouir sous terre. Il a le fruit du repoussement. On l'a fait dans le dernier live. Elle, c'est un mmh. peu ça. Elle va sous terre. Elle peut faire s'ébouler les trucs. Elle peut créer des cavités. Elle peut aller espionner. Elle peut s'échapper lorsqu'elle est prisonnière. Non, c'est un fruit utile en tout cas pour ce genre de, de trucs. Après, en dehors de ça, ouais. bon, c'est pas le fruit le plus esthétique est pas... hein, clairement. Non, c'est sûr, c'est pas le plus esthétique, c'est pas non plus celui qui, je pense, fait euh... le plus rêvé non plus. Bon, te transformer en une vieille top éclatée, euh, c'est pas... Mais c'est ça le, le souci vois, aussi, et... c'est l'apparence. Elle, en forme hybride, elle est dégueulasse. Il n'y a pas de style à cette... L'apparence euh... bah, bah, a, a aussi, je trouve, de l'importance dans, le... dans un fruit Zoan, je trouve. Autant il y en a d'autres bon moins, tu vois, mais mais ben c'est ça, Absolument, parce que ça c'est oui. un bon truc à dire effectivement là on est dans les zones, donc les fruits qui transforment en animaux bon, pour, la plus tard, pour la plupart c'est c'est ça on va dire mais l'apparence va jouer un rôle capital dans le euh, l'appréciation que les gens vont en avoir tandis sure. que si tu es sur un logia bon ça va être plus l'élément ce qui représente l'eau le feu etc bon l'eau on l'a pas vu mmh. Si tu es sur euh, un paramétia, bon, l'apparence, le gars, il garde son apparence normale tout le temps, en fait. À part quelques-uns qui sont recouverts de leur pouvoir, type trebol ou d'autres, mais généralement, l'apparence, tu vois, le fil est comme ça, euh, et normal, qui d'autres Robin, pareil, euh, normal, euh, etc. Donc les zoans, c'est capital. Parce que les zoans, tu vas la moitié du temps les voir transformer et changer d'apparence. Donc effectivement, il vaut mieux avoir le fruit de Morley, là, le Paramétia, qui fait que tu peux repousser les trucs et tu fais exactement la même, les mêmes choses que la taupe, plutôt mmh. que la putain de taupe où t'as une tête de... Euh, dégueulasse. J'avoue, j'avoue. Après, beau gosse la taupe. Hein. Je veux dire, si vous aimez la taupe, euh, nous on respecte. Hein. Nous, ouais, on, je sais que c'est ton genre. Hein. Hein. Bah, je te propose de passer bon. avec ah, à son acolyte, son acolyte, non pas son alcoolique, même si on ne sait pas, c'est le Inu, Inu no mi modèle Bassé, ouais. Donc Inu c'est un chien, euh, mm -hmm. c'est le fruit du chien mais modèle Bassé, donc la, la race de chien. Et il a été donné à une arme, c'est-à-dire que c'est un canon, un C'est pas, pas un chien qui a mangé le fruit d'une arme, c'est une arme, un bazooka, qui a mangé le fruit d'un chien. Déjà, il faudra m'expliquer, là, là c'est un, un concept. Il faut m'expliquer comment. L'arme mange le fruit déjà. Est-ce que tu t'écrases le fruit, tu le fais couler sur le truc Comment tu fais Tiens Je sais pas. Je sais pas, c'est conceptuel encore, ça sort du cerveau doda. Euh... Je sais pas quoi en penser, parce qu'en vrai, euh... comment imaginer que dans la vie de tous les jours, tu fasses bouffer le fruit d'un chien à, à, à mon téléphone portable toi, ou à mon stylo est-ce qu'il faut, est ouais, qu est... faut vraiment... Euh, c'est clairement pour le, pour le délire. Après, le fruit du chien en tant que tel, imagine, c'est pas un canon qui l'a mangé. Imagine, c'est un gars qui mange le fruit du chien. Mmh. Bon. Modèle Bassé, qu'est-ce que ça peut lui apporter en plus Je vais taper Bassé, je vais voir à quoi ça ressemble ce putain de chien. Bassé... C'est pas Bassé Ici ou là-bas Ah ouais, c'est les petits chiens type coquère là avec les longues oreilles, ok. Ah c'est le chien de Télé 7 jours. Euh... <laughs> ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais non tu peux rien faire avec ça. Suis... <laughs> bon moi je te propose ah, qu'on passe te à la suite ça, parce ouais. qu'il y en a qui ouais. vont nous mobiliser du temps vu qu'il y en a. On a calculé en vrai les amis pour faire une heure et demie de live il faudrait qu'on passe 30 secondes sur les éclatés et 3-4 minutes sur les. Ouais. Et tu viens de déjà donc, tu de, de, 15 de. minutes sur. Et euh, tu viens, tu viens de déjà rondes. de bouffer 30 secondes. On va passer à un ouais, autre ouais, inunomi bon. inu donc c'est un autre fruit du chien cette fois mais modèle chacal vu que chacal. Euh, le chien euh, le chacal c'est des canidés en fait hein. c'est ça le lien. Celui-là est ouf, il est intéressant en tout cas puisque c'est le fruit de Chaka, le deuxième bras droit de Vivi, puisqu'on avait Pelle tout à l'heure qui se transforme en faucon, on a Chaka, un fruit bien agressif et bien violent. Bon. On nous dit, euh, principal atout de ce fruit est qu'il augmente l'endurance et la rapidité de l'utilisateur ainsi que sa vision qui devient perçante. Peut de plus survivre facilement au climat du désert, le chacal étant une sous-espèce du loup, l'utilisateur obtient un net avantage pour les combats au corps à corps encore plus que la plupart des fruits du type Zoan, étant un Zoan carnivore. Ouais. Ok, donc un zoanqueur car carnivore au même titre que euh, bah, le modèle léopard de Rob Lucci, par exemple, le modèle loup. Oui, mais on voit jamais euh... Euh, ces personnages-là manger d'autres gens, donc. Euh... Non, non, c'est sûr, non, mais comme Jabra, apparemment. Bon, bon, okay. juste des, ils okay, mangent okay. de la viande, quoi. Ça change quoi de des humains, quoi. -dire, euh... Ça change pas grand-chose. Ah, euh... Ouais, c est, c est, c est, si tu vis dans le désert, en fait, en vrai, voilà, tu, tu survis à la chaleur, euh, meilleure endurance, rapidité, tu vois bien, euh, je... ça, peut, ça peut être bien. En plus de ça, ça ne change pas tant que ça son... sa stature quand il est en mode hybride. Tu vois, il garde vraiment une vrai. apparence, enfin euh, une stature, même une échelle de taille euh, semblable à sa, son apparence mmh. humaine. Euh, rapidité, ça peut être intéressant, effectivement pour courir, euh, fuir, euh, faire plein de trucs. Quoi. Donc mm. un fruit sympa, beaucoup plus que le basset en tout cas. On va passer au Uma Uma no Mi. Uma c'est un cheval. Sauf que là, le gars, le truc, qui a mangé le fruit du cheval, c'est un putain d'oiseau, visiblement. Ouais, euh, pi donc euh, Pierre, hein, l'oiseau de Ganfor, Ganf je crois qu'il s'appelait. Euh, Ganfor, si Ganf en japonais, Dieu, en fait, à euh, Skypia. Du coup, effectivement, euh, donc ça te permet euh, de te transformer en un cheval ou cheval hybride, hein, selon ta volonté, avec une belle dentition pour mordre les gens. Euh... Ça, c'est le truc d'Oda, en fait. C'est-à-dire, il prend un truc qui aurait pu être stylé de ouf et juste pour nous faire le gag parce que rappelez-vous quand on voit le, le cheval on ça, se dit ouais ça. Pégase et tout tu vois tu ça cette image et tout et vas-y je monte sur ma monture et tout il se barre avec son cheval ailé et puis tu vois que c'est un vieux cheval dégueulasse avec des poids et tout euh, mode costume de Barbie avec une vieille tête éclatée et limite, il va tomber, il va mourir le, le, le cheval. Donc, non, c'est typiquement comme le basset, un fruit euh, utilisé pour le gag. Mais, bon, le fruit du cheval, en vrai, euh, même pour un humain, je pense que ça serait pas très intéressant parce que ça ferait certainement un résultat comme ce qu'on a vu avec, euh, et vous le verrez dans un prochain live, avec, comment elle s'appelle euh, Umami, le surnom qu'elle lui donne au hmm. mais son nom c'est. Euh... Speed. Hum... Speed, ouais. Euh, ouais, ça. Ouais, ça serait ça un peu. Ouais, je pense. Un peu sans euh, euh, ouais. tors, clairement. Je pense que ça te permettrait de bien, bien courir vite et tout. Tu vois, tu transformes transformes. t'as un beau galop. Mais bon, voilà. Ok. Bon, euh, on va du coup passer au zo -zo -no mi Du coup, zozo, -zo, pardon, pas zo. Zo, enfin quoi que si c'est ça, c'est nomi Mais ils ont pas mis de trucs Il faut aller dans la définition japonaise. Euh, zo étant un éléphant. Bah, écoute, euh, euh, le fruit de l'éléphant, bah, ça pourrait être grave fruit. bien. Tu te transformes en éléphant, tu piétines tout le monde, tu as des défenses, tu casses tout, etc. Sauf que là, encore une fois, c'est un fruit mangé par un, un objet. C'est l'épée de Spandam qui a mangé le fruit de l'éléphant. Mmh. C'est dommage parce qu'on n'en voit pas toute la dépiction possible. Je pense que là, il faudrait faire appel à notre imagination. Mais je pense que très clairement. Euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure quand on voit un petit peu le zozonomie mais modèle mammouth qui est mangé par Jack on voit un peu ce que ah ça oui. donne comme euh, ravage que de se transformer en cette euh, bête euh, plus donc euh, forcément plus grosse qu'un éléphant mais on le voit tu vois devenir cet éléphant massif etc et les ravages que ça peut faire un, un pachyderme je me dis en vrai le zozonomie à moindre échelle peut-être mais quand même Là, tu peux faire des, des, des trucs de ouf. Hein. D'ailleurs, il me semble que le, le mammouth a été rayé de, de l'appartenance la, de au pachyderme. Mais bon, ça, c'est à vérifier. Ah ouais, ok. regarder du coup, effectivement, s'il l'est ou pas. Je, tiens, je vais regarder, vu qu'il y avait le lien du Wiki. It's interesting. Ça sert rien de regarder dans le Wiki. Hein. Moi, je te parle scientifiquement parlant. Hein, dans le... Auprès des. Auprès des. Euh, comment on appelle ça Ouais, c'est une raclure, hein, notre cher Spandam, malheureusement. Mais ouais, ce, ce putain de fruit, quand tu le teases avec euh, l'équivalent euh, du mammouth de, de Jack, tu te dis Waouh, ouais, l'éléphant, quoi Imagine un gars qui possède ce fruit, mais il est destructeur, quoi On n'aurait ouais, ouais, pas ouais, pu ouais, le voir ouais, à Wano, vu que c'est vraiment des fruits. Euh, euh, ancestraux, archaïques, vieux mais euh, le fruit de l'éléphant, t'aurais pu le voir, imagine, sur un géant. Putain. Oh là oh, là, là. Imagine un gars comme euh, Brogui et, et Doggy qui ont le zoo. Oh là là, la dinguerie, ce serait un éléphant, mais... Bah, juste après Zunisha, quoi. T'as Zunisha, et mm. t'as le géant. Euh... Oh, putain. Ah ouais, après, euh, cool. Zunisha, il fait genre, euh, je crois, je sais pas combien de kilomètres de haut. Hein, donc, je pense que le géant, il l'escalade. Hein. Ah ouais, j'avoue. Mais... Genre... J'avoue. Non, euh, sympa. Franchement, le zozo en termes de puissance physique brute, euh, ça, enverrait, euh, ça enverrait du steak. On va passer je te de. On passe à un fruit Beaucoup plus petit. Du, du... Normalement. Ouais. puisque on est sur le. Nico. Normalement. Alors, je vais, je, vais le dire, je vais le dire comme ça devrait être dit. Le neko-neko-nomi. Parce que c'est le chat. Neko. Donc, tu t'imagines ouais, là, le... un vieux chat, etc. Mais non, en fait, c'est la racine, encore une fois, à prendre. C'est comme tout à l'heure avec les canidés. Écon économie modèle léopard c'est ouais, le putain de fruit du léopard un félin c'est un félin voilà et c'est le fruit de Roblucci. bon bah je pense que en termes de férocité en termes d'utilisation en termes de capacité Roblucci est un bon client on va dire je pense que c'est l'un des des utilisateurs de fruits zoan les plus démonstratifs et il nous a montré un peu le, le panel de ce qu'on pouvait faire avec son fruit quoi. Ouais, c'est ça, force physique, ça augmente ta taille, ta masse, toutes tes techniques, aptitudes, voilà, tu es renforcé, quoi, tu as l'agilité vraiment du félin et d'un léopard, quoi, tu as vraiment une certaine violence aussi, puisque apparemment, je suis en train de lire en diagonale, mais le zoan carnivore a pour nature d'être plus violent qu'un zoan normal. Comme attribut, euh, donc c'est peut-être ça surtout qui fait euh, la, la, la différence. Effectivement, il est assez violent, euh, reblouti dans, dans, dans le genre. Redoutable. En tant que tel, euh, on, on, voilà, même si on, on, on s'amuse à dire ouais, Zoro, ouais, Luffy, ouais, je ne sais pas quoi, ça reste, je trouve, quand même un fruit redoutable. Bien aiguisé, bien pris en compte Merci, et pris en charge, je trouve que. Ouais, c'est un fruit redoutable. Neuvième mois, et il dit trop content d'avoir un live. Bonne soirée, merci beaucoup. Euh, merci, nickel. Merci, fait plaisir de t'avoir. Merci pour ton soutien. Pour revenir sur euh, Roblouti, je vais quand même me faire l'avocat du diable, parce qu'il faut bien. L'avocat de diable. Ouais. Je trouve qu'avec pas mal de Zoan, pas tous, mais avec pas mal de Zoan, notamment euh, Chopper et d'autres, euh, Marco par exemple, la spécificité du fruit fait ses attaques. La spécificité de, de ce qu'il a mangé, de ce qui le fait qu'il peut se transformer, etc., va définir comment il va attaquer, comment il va encaisser, etc. Je trouve qu'avec Robluchi, comme c'est un membre du CP et qu'il utilise le Rokushiki, donc les, les diverses attaques qu'ils ont, le Hankaku, le euh, Geppo, euh, Shigan et toutes ces conneries. Ben en fait, ça passe en second, toutes ces capacités de Zoan. Je trouve mmh. qu'à part la vitesse, voilà, et puis euh, bah son, sa stature et le, le fait qu'il puisse bouger en combat et changer d'apparence, mais le reste, ça passe vraiment en second plan. Le, mmh. le, les principales attaques de roblouti c'est le Rokushiki. C'est pas du tout les trucs genre, oh, je suis je un je peux faire ça. Tiens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Parfois, ces aptitudes de, de, de membres du CPI passent au-dessus de ce qu'ils pourraient faire seulement en étant en étant. Non, je, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai. C'est vrai que oui, oui. Vu comme ça, je l'entends. Je l'entends. C'est vrai que faudrait peut-être le voir plus plus plus. Alors, il y a des moments où on le voit bien sauvage. Hein, on le voit utiliser certaines techniques. Euh, mais c'est vrai qu'on ne peut pas euh, forcément. Tôt... Et en fait, il a, il a vraiment, euh, je trouve, fusionné ses aptitudes de Sipi et ses aptitudes de, 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 de Zoan qui font que parfois on a du mal à distinguer qu'est-ce qui vient de où. Oui, effectivement. Bon. Dur à dire, on va du coup partir sur un autre fruit du chien. C'est le troisième qu'on voit après le, euh, le caniche oui. dans le basset et puis le, mmh. le chacal. On va voir cette fois le mmh. modèle loup. Le modèle loup mm -hmm. du coup, Okami, qui est possédé par notre cher Diabula, autre membre du CP9, qu'affronte Sanji à Inies Lobby. Ouais. Augmente la force et la forme physique de l'utilisateur, on nous dit. Euh, notamment avec un utilisateur bien entraîné, comme l'a fait Diabula. Ces euh, techniques de combat... Euh, du coup, euh, ce que tu évoquais euh, tout à l'heure, hein, du coup, le chiki sont beaucoup plus puissantes et meurtrières avec ce fruit. Le type de ce fruit qui est un zoan carnivore rend l'utilisateur plus dangereux qu'un zoan normal possède des armes tranchantes à sa dispo, des griffes qu'il peut utiliser pour tuer une proie sans la faire souffrir, avec ses griffes, sa technique. Donc des euh, Lokushki devient plus meurtrière qu'un index gun euh, normal. Un Shigan oui. Il Mais moi je trouve Un que les, euh, les, les techniques de Diabola, on, on, on voit mieux l'impact de son fruit sur ces techniques du Lokushki justement. C'est ce que tu décrivais, mmh. mais euh, oui, euh, ces attaques avec ses griffes comme ça, où il fait genre, il fait un kamehameha, mais il te balance des, les, les crocs du loup, quoi. C'est ronga littéralement, en japonais. C'est ce qu'on a dans la technique de Yamcha en japonais. Rouga, hein. c'est la technique des crocs du loup. Mais clairement, Diabola, je trouve c'est efficace. Ce que j'aime moins chez Diabola, c'est sa forme hybride. Je la trouve ridicule. Mais c'est la tête, encore une fois. Mmh. Il nous a fait une tête de cartoon, tu sais, les cartoons où t'as le loup euh, qui qui siffle ouais. euh, les filles ouais, et tout ça. Non, là. Non, ouais, ouais, ouais. ça ouais. Exactement, il nous a fait un truc de cartoon des années 40 Aude, avec ça. Alors il aurait pu faire un loup avec super stylé, tu vois. Je suis... Là, c'est vraiment un point euh, que je suis content que tu soulignes parce que ça a toujours été... Pas, pas ma déception parce qu'on est dans One Piece et donc on s'en fout un peu. Mais par rapport au fait que tu puisses devenir vraiment un loup et le loup dans l'inconscient euh, collectif et même dans la conscience collective, ça te fait peur. En vrai. Quand t'es enfant, t'as peur des loups. Euh, je le vois avec ma fille et tout. Donc, t'aurais fait un loup démentiel, monstrueux, il aurait gagné en... je trouve en... en, en dangerosité visuelle. Ouais, parce que là, on te propose son fruit. Est-ce que tu le prends Tu vois sa tête Non, après, on peut se dire que c'est parce qu'il est tête de con de base, Jabra, mais euh, non. Alors que si tu montres un vrai loup, euh, euh, tu vois, presque sanglant, et tu dis « Wow, ah ouais, il est il est dangereux, bah tu te poses la question là en l'état, non bon, on va voir un autre Ushishinomi, un autre bovin même si c'est pas un bovin du tout je sais pas pourquoi il est rangé dans les Ushishinomi euh... je sais pas non plus, non plus pas. le long modèle long 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 girafe long de... de Kaku ouais alors euh, très euh, comment je peux te dire ça la pire girafe dans qui papis, existe tu me dis, tu... ouais c'est ça mais sur papier, tu me dis, euh, tu vas devenir une girafe. Le premier truc qui me vient en tête, moi, c'est, oh putain, hein, je vais galère sa mère. Tu vois, beaucoup d'handicap, en fait. Euh, bah oui, mais bah euh, oui. oui. T'as un coup de ouf, euh, voilà, euh, son coup n'est pas fait pour se battre de base. Vous savez que euh, le, le, la girafe a un énorme cœur pour justement pomper le sang jusqu'au jusqu cerveau. C'est beaucoup de contraintes. C'est un animal qui est adapté à son environnement, blabla, bref. Donc je t'avoue, tu me donnes ce truc-là, je me dis ok, mais à part euh, pour euh, être facteur et livrer les colis directement euh, dans les appartements, c'est le fruit idéal en fait pour un livreur parce que tu transportes <laughs> les trucs, tu cours vite, les girafes courent plutôt vite, et en plus mmh. de ça, ouais, t'as accès à des endroits assez hauts. Non, c'est bien. Ouais, c'est tout. Mais c'est tout effectivement. Mais après, euh, alors je Kaku, vois, le, la première fois hein. qu'il a utilisé son fruit, moi je me suis dit putain. Moi j'aimais bien Kaku. Mais il était stylé. Et, ouais. je, et, et je, me dis, je me suis dit, putain, ils lui ont donné le pire fruit, il pue la merde. L'autre, il a le léopard, l'autre, elle a fait la lessive, et puis l'autre, il a le loup, et lui, c'est quoi Il mange des feuilles contre Zoro. Et alors, il nous a sorti des trucs, t'avais des gags évidemment, où il faisait des techniques improbables, où il se transformait en cube et tout. Mais, Mais ses capacités les capacités du, du Rokushki ont renforcé en fait. Euh... Là, c'est un peu. Enfin. Non, c'est son, son fruit qui a renforcé la puissance de ses capacités du Rokushiki. Ou quand il fait un Rankyakun, tu vois, le, le, le tranchant de la lune, là. Et qu'il te coupe mmh. la moitié du bâtiment. Bon, tu te dis, dis euh, ouais, les, les jambes de girafe, ça aide, en fait, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, non, il, il, il est quand même puissant. Maintenant, c'est sûr, tu me donnes ce fruit, je te dis, euh, donne-moi un autre. Ouais, moi aussi. Je te dirais, donne-moi un note, mais pour le coup, je pense que Kaku en a fait la meilleure dépiction possible pour un fruit qui, sur papier, était compliqué. Donc, je pense qu'on peut dire GG Kaku. GG Kaku. Voilà. Et on va partir sur le Hebi Hebi no Mi. Il y en a plusieurs, vous allez voir, c'est le fruit du serpent, modèle Anaconda. Donc, c'est le fruit que possède Boa Sandersonia. C'est la sœur avec les cheveux verts de boa c'est ça. Donc je pense que elle doit faire partie de Serpentard chez Harry Potter. Dites-nous dans le chat si c'est le cas. Sûrement. On nous dit que la principale force de ce fruit, c'est le gain de force euh, physique, de souplesse, euh, permettant d'avoir un long corps souple utilisable euh, comme un anaconda. La queue peut venir s'enrouler autour d'une cible afin de limiter ses déplacements. Euh, elle la laisser vulnérable, mais Peut se révéler être une faiblesse, puisque dans le cadre de Sandersonia, euh, Sandia peut être lié par la queue à quelque chose et être immobilisé. Également sensible au feu, notamment celui dans lequel se plonge Marigold. En dehors de ça, pas de faiblesse particulière. Euh, oui, et puis c'est super puissant. Et puis un anaconda géant qui t'enroule comme ça, t'es mort tout de suite. C'est très ouais, dangereux. Ouais. Très très dangereux, mmh. c'est pas pour autant un fruit que j'aimerais avoir, parce que bon, avoir une dégaine de serpents et ramper par terre, bon c'est pas trop mon ah, faut, délire. Faut qu Même fait, hein. si la forme ouais. hybride elle est intéressante, puisque tu conserves tes bras. Bon les serpents n'ont pas de bras, bah ben là tu conserves tes bras, donc tu peux les utiliser, c'est bien. Au-delà de ça, bon, quelle utilité véritablement pour ce fruit en vrai hein. J'en vois dans, dans la vie tous les jours là, non, j'en vois vraiment pas en vrai. Je... Bah écoute, on va englober le suivant parce que c'est le Cobra Royal, c'est celui de ouais, Marigold, c'est sa sœur, donc euh, celle avec les cheveux, pareil. les cheveux marron orange là. Euh, bah c'est du pareil au même, j'ai envie de dire, si ce n'est que je crois que Marigold a une plus grosse résistance physique, non Bon après c'est peut-être aussi du fait de sa constitution humaine, hein. elle est plus grosse aussi. Que ouais, puis je pense que autant sa sœur, elle gère du coup la, le fait d'être euh, voilà de d'enfermer de, de, ses gens. Je pense que elle, elle a la, la possibilité de créer de cracher du poison. Je pense. Ah ouais, ouais c'est ouais. un cobra. Ouais. c'est voilà. Pas logique, bon, il y a des petites nuances ouais. en fonction du, du serpent, effectivement. Mais euh, bon, euh, voilà, on va pas rallonger spécialement. Par contre, elle ferait une super équipe avec Magellan. T'as une team Magellan et euh, Marie Gold Bim Alors là il y a personne qui euh, Personne qui... Ah, j'avoue, j'avoue Et du coup pour le cas euh, de, de Sandersonia Avec Orochimaru de Naruto Bim les deux <laughs> J'avoue, ils se mettent des coups de langue Et on veut pas savoir ce qu'ils vont faire on va passer au fruit du Minotaur, pour lequel il n'y a pas de page sur le Wikia. C'est euh, un fruit dont on ignore tout, en fait. On sait juste qu'il y a un Minotaur, rappelez-vous, à Impel Down, de la même manière mmh. qu'il y a un fruit du rhinocéros, vu que visiblement, il y a un rhinocéros avec des mouquilles. Voilà. Un ouais, et un Minocoala. Également... Et, mino et il y a également, voilà, un mino zèbre et un Minocoala, et ils ont tous comme point commun, je vous le mets dans le... Non pas d'être gigantesques, sous leur forme hybride... Mais mais de ne pas savoir utiliser un mouchoir. Exactement. Voilà. Euh, Ou alors il fait froid. Voilà. Peut-être vous... peut qu'il fait froid, Impeldon. Hein peut ouais, peut-être qu'il fait froid, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, c'est juste qu'ils sont capables, voilà, ils ont, ils ont, comme tu l'as dit, euh, Bouffin Zoan, on a l'apparence du, comme son nom l'indique, euh, de chaque animal, euh, et puis, bon, voilà, on a quelques attributs physiques qui leur en sont propres, hein, forcément, Rhinocéros, Minotaur, t'es physiquement plus... Balais et résistant, maintenant vu qu'on n'en sait pas plus écoute euh, on va passer au fruit de Onigumo du coup Onigumo c'est ce que m'inspire le, le nom après le gars c'est pas vraiment ça Onigumo, bon je suppose que vous vous souvenez pas de ce gars là et je vous en voudrais pas parce que je ne me souvenais pas de son nom non plus donc je vais vous mettre le lien si je retrouve la page du chat, Elle est, il est là le chat hop bim Onigumo donc c'est un marine, Onigumo, et il a le fruit du coup, enfin euh, c'est euh, <laughs> un marine qui a le fruit de l'Onigumo du coup, Onigumo du coup qui est une araignée bien évidemment comme son nom l'indique, parce que Kumo c'est une, une araignée avec le kanji Oni devant, ça se lit Gumo. Et euh, comment il s'appelle le gars qui possède ce fruit déjà, je sais plus, comme je le disais euh, je ne oui, me souviens gumo. plus de son nom hein, cet enfoiré. Onigumo, il s'appelle. Donc il s'appelle Onigumo, il a le fruit nigumo. Bon, ben, écoutez, en fait, on était dessus des... depuis le début. Personnage anecdotique, mais qui a le fruit d'une araignée. C'est l'occasion de voir aussi une araignée, je trouve, dans une dépiction différente de ce qu'on a avec euh, Maria. Mmh. Black Maria, tu sais, à Wanokoni, où on a vraiment le corps d'une araignée, euh, on a le truc, un peu la terreur de tous les arachnophobes. Là, Onigumo, c'est plus simpliste. C'est le gars, ça pourrait être il aurait le fruit d'un dieu indien, tu vois. Il peut juste ouais, avoir ouais. plusieurs bras, il se bat avec et comme c'est en plus il se bat à l'épée, bah il peut. C'est pratique. C'est le fruit de Tenchinran en fait. Ouais, c'est ça. C'est bon. T'es es une araignée, euh, lambda. On nous dit dans les futilités que son fruit pourrait s'appeler le Kumokumonomi, euh, comme euh, le, le zoan antique de Black Maria et euh, il pourrait exister une dépiction. Euh, type Migal ou Tarantule, par exemple, euh, parce qu'on n'a pas de nom, mais euh, comme tu as pris l'exemple de Black Maria, mais alors attends, autre moi d'un doute, on le... oui donc lui il s'appelle Onigumo, et euh, donc il y a. C'est a... pas le nom de son fruit en fait. Et c'est pas le nom de son le fruit, fruit d'accord okay. Moi je pensais que ça pouvait être le, le fruit de l'Onigumo et, et que le gars s'appelle Onigumo, ce qui aurait totalement euh, collé. Ce serait, ça aurait été, ouais. tu vois, par exemple, l'araignée la, euh, démoniaque ou que sais-je, littéralement, tiens. Ouais, clairement, euh, il s'aurait serait pu, mais il... apparemment c'est le fruit de Onigumo, donc euh, est-ce qu'il ne s'est pas fait Yesh plus que Saouda, ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, il savait pas comment le, le nommer ou Il ne l'a pas encore ou, réveille, peut On peut soit, comme tu dis, lui octroyer le nom de Onigumo, ou soit c'est le Kumokumonomi modèle... parent Modèle araignée, je sais pas quoi, araignée de maison, voilà. araignée de jardin, ce que tu veux Bon, écoute, euh, pour ce qui est des, euh, des, des points forts, bah, tu l'as dit, hein, la possibilité de se battre avec plusieurs pattes, plusieurs bras et tout. Bon, t'as un combattant redoutable. Peut-être faire plusieurs choses en même temps, euh, faire le ménage et tout, tu nettoies ta cuisine en même temps, le sol en même wow, temps. Ouais, ouais, en fait, c'est ça. ça Femme de ménage, euh, agent d'entretien, euh, <laughs> ce que tu veux, ça tue ça. Ça, c'est le fruit qu'il ouais. qu faut à tous les, les agents d'entretien. Go! Let's go. Moi, je vous propose de passer euh, sur le film « Les 101 dalmatiens ». Parce qu'on va repasser sur euh, « Très certainement », même s'il n'a pas, euh, pas de nom. C'est un peu comme Onigumo. Je viens de me rendre compte que c'est Le fruit de dalmatien ». Donc, le gars s'appelle Dalmatien. Son fruit, mmh. c'est un dalmatien. Mais, on n'a pas le nom du fruit. Mais, très certainement, ça sera Inu Inu no Mi. Inu Inu. Voilà, le, le, Model chien, le fruit quoi. du chien modèle dalmatien. Euh, vous connaissez j'ai rien à dire il, bon, pue, ben, il pue la merde il la merde non, non. Diabula, il avait déjà une tête de merde avec son loup alors que c'est un loup lui c'est un dalmatien il est euh, en forme hybride il est moitié dalmatien comme ça la partie haute dalmatien on dirait qu'il a mis une capuche Garp hmm. il fait le même mais avec son son masque là il pue la merde il pue la merde il court vite, c'est tout ce qu'il fait, ah, euh, à part ça. Ouais, ouais. après, c'est des dépictions en fonction du hiench que tu préfères, quoi. À mon avis, il doit y avoir le modèle d'Oberman, modèle Rottweiler, modèle voilà, bon. Euh, mais ça reste les mêmes attributs, je pense. Tu transformes en lien et tu gagnes des, des attributs de hiench. Donc je pense que tu dois, par contre, euh, toi qui as un odorat euh, qui parfois te fait souffrir, bah, imagine si tu avais ce fruit-là, je pense, euh, tu étais au sol. J'ai jamais pensé, c'est vrai, je pourrais, je pourrais pas manger le fruit du chien, moi. J'ai déjà un odorat hyper développé, en vrai. Et là, je meurs en fait. Voilà. Tu sens, tu es, es sur le bateau, tu sens le vieux slip de Franky en permanence Bon, on va passer au fruit d'Epoida parce que. <laughs> c'est pour sentir le vieux slip. <laughs> t'imagines Eh, hey, t'imagines T'es sur Egrel, tu sens York, elle était yesh et, oh. et tout. Oh non oh. Bon, le fruit d'Epoida, je l'avais totalement oublié. Euh... Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas qui c'est. Il sens mon chenille. C'est qui Poïda C'est un capitaine pirate du Nouveau Monde qui s'est allié à Barbe Blanche. Putain, c'est lui Ah oh ouais, il a, un, il a une chenille et tout. Mais pourquoi ce on n'a pas d'image Alors, alors c'est un capitaine euh... du Nouveau Monde qui s'est allié à Barbe Blanche. Ok Mais pourquoi sur le wiki, on n'a qu'une image du manga et pas de l'animé Alors que quand tu cliques dessus, tu l'as bien. Euh... Parce que Barbe Blanche, il est un peu mouru, donc. Euh on le voit à Marineford apparemment allié à Barbe Blanche avec une flotte de 42 autres avec 42 autres équipages de, 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 de Pirates du Nouveau Monde on le voit à côté d'Ivan Koff et tout à Marineford il est tout de vert vêtu bon le, le fruit de la chenille ça peut être intéressant 12S. pour euh, tisser des liens avec des gens non, mais voilà, vrai... sinon pour faire des habits c'est bien Travailler Jean-Paul Gauthier dans, dans la couture, tout ça, y a... franchement, il <laughs> y a moyen. Sa forme éveille, c'est un papillon, c'est sûr, Noni Nindo, mais c'est sûr. Mais c'est sûr, et c'est lui qui fait les sapes papillon. de tout l'équipage. Après, euh, si tu veux te prendre pour euh, la, 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 la chenille de Alice au pays des merveilles euh, et fumer des, de l'opium, là mmh. Ouais, bon, il est bon, t'as le fruit qu'il faut. Écoute, plus la merde ce fruit, on va passer sur le kamekame -kame no mi, un fruit, alors le, le, la grosse blague de ce fruit, le fruit de la tortue du coup, c'est que c'est un lion qui la possède. Mmh. C'est Pekoms le, le mix à tête de lion qui possède le fruit de la tortue. Donc du coup c'est bien parce que s'il se fait attaquer par derrière, ben, il a une carapace qu'il dissimule d'ailleurs, ce qui a permis de fausser sa mort contre Capone on pensait qu'il était criblé de balles et qu'il allait euh, mourir, le gars. Non. Et il peut rentrer euh, aussi ses membres, euh, du coup, dans sa carapace et se cacher. Ouais, on voit d'ailleurs que solide. Hein, euh, il, il le disait lui-même, comme parce que sa carapace était hyper solide, euh, permet de se protéger de, 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 de rafale de balles, euh, l'effondrement d'une maison. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il euh, ah oui. l'expliquait. Donc ouais, ouais, solide de ouf. Solide de ouf. L'un des inconvénients, par contre, c'est que les vêtements de pecum tombent parfois quand il se transforme, car ses membres rentrent dans sa carapace. Il doit donc les remettre en place après avoir retrouvé son corps. De, ah oui, de, de c'est débile. Donc tu te retrouves à Walpé en permanence dès que tu utilises les vertus de ton fruit. Donc euh, bon, mais euh, pas forcément parce que si tu, mets, si tu mets les habits, si tu mets que des habits de grande taille et que tu les enfiles au-dessus de la carapace, il n'y a pas de problème en fait. Du coup, tu ressembles à rien, ça, en fait. Donc en fait c'est assez handicapant comme fruit, sans oublier le fait que on nous parle pas de la rapidité, mais une tortue, c'est pas connu pour être rapide. Donc je sais pas où est-ce qu'il en est comme là dessus Peut-être que lui ça va, vu que c'est un lion de base, mais... Voilà, on va passer sur le Tama c'est l'un des plus éclatés de tous les fruits de Zoan que j'ai jamais vu de ma vie. Pourtant il est redoutable. Tama. De Tamago en fait. C'est un œuf. C'est un œuf Tamago. Mmh. Le tamatamanomi, du coup, c'est le fruit de. Comment il s'appelle lui bah, de Tamago. Putain, mais Oda... Oda, il fait pas d'effort en vrai. Pourquoi on dit un d'un mec qui rien, fait aussi mais... peu d'efforts <laughs> <laughs> de ouais, euh... Le gars s'appelle juste euh... œuf et il lui donne le fruit de l'œuf, du coup. Okay. Ouais. Et okay. à mesure de ses transfo, il obtient les caractéristiques d'un poulet. Frère, en vrai, ce fruit. Et quand il meurt, il redevient œuf Moi, il me fait pas. Moi, sauf si tu travailles chez KFC, frère, et que du coup, tu es le patron de ton magasin, et du coup, on te dit, ouais, bien, et tout, tu représentes. Euh, voilà. Éclaté au sol, physiquement, tu ressembles à rien. Tu ressembles à un poussin ou, à un, ou à un poulet. Mais il a trois formes, je crois. Hein. Parce qu'il a le baron Tamago. Donc euh, voilà, le baron œuf. Il a le vicomte Hiyoko, le vicomte du poussin, si vous préférez. Et il a le comte Niwatoli, donc le comte du coq, et non pas du con. Voilà, donc il passe par toutes les formes. Il passe par euh, l'œuf, le poussin et le coq. Et puis euh, il rembobine. Si le coq euh, tombe, bah, du coup il redevient euh, l'œuf. On nous dit, pour aller, histoire de vous donner quand même rapidement à quoi il sert, dans la forme Tamago, hein, donc il a une coquille d'œuf autour de sa taille, très compétent dans les attaques coups de pied rapides et porte des collants qu'il protège de l'électro. Dans cette forme, il ajoute souvent des mots français, ok, bon, on s'en fout. Quand il est euh, vicomte, uh, Hiyoko, hein, donc tu l'as dit du poussin il a cette fois-ci un bec, euh, une paire de petites ailes et deux couteaux, est euh, affirmé être renforcé sous cette forme et toutes les autres capacités de cette forme n'ont pas été vues. Qui a rapidement détruit par Pedro, et ensuite en compte du coq, ressemble à un coq surdimensionné avec des ailes complètes, tout en conservant sa moustache comme dans sa forme précédente, un vrai chevalier, mais ses capacités n'ont pas été démontrées. Par contre, il y, il y a une spécificité a qu que, que j'ai soulignée du coup, mais sans, sans revenir dessus, mais qui, qui peut être intéressante. C'est un fruit avec lequel tu meurs pas, en fait. Bon, j'imagine, si tu te fais fumer par quelqu'un comme Akainu qui te trempe dans son magma et que tu fonds comme une vieille. Euh, voilà, tu, tu es mort. Ouais. Mais, si tu te fais trancher par euh, Zoro, tu te fais trancher par euh, Brook, si tu te fais mettre KO, etc., mais il se rembobine à l'infini, le gars, en fait. Tu vois Donc, c'est comme s'il se régénérait à chaque défaite. Donc, ça peut être super pratique dans euh, certains types de combats, je trouve. Hum. Ouais, 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 ouais. ouais et ouais. euh, faut, aimer. Ouais, faut aimer, faut aimer les œufs et moi je les digère pas donc je peux pas de toute manière. On va voir le fruit de mino chihuahua. Chihuahua. Bon en fait non, on va pas le voir parce que c'est le même délire que le mino zèbre, le mino koala de ah, ouais. tout à l'heure. Il n'y a pas de lien. Il n'y a, a même bon pas de lien. Bah. On peut pas que... Bon c'est un mino chihuahua. Éclaté. Bon, ça rien. Mais alors du coup ça veut dire c'est un Chihuahua géant mais avec des moukils en fait. Il y a beaucoup de qui à Impel Down c'est fou. On va passer sur un autre truc qui euh, qui coule. C'est le Sala no modèle Axolotti. Mmh. et c'est le fruit en fait de l'axolote du coup. C'est le fruit de notre cher Smiley l'espèce de slime gigantesque vous savez qu'il y a un Casard. Mmh qui est l'arme de destruction de César Clown et qui euh, se fait tuer. Bah écoutez, euh, ouais, c'est une salamandre, hein, du coup, hein, une salamandre... Euh, une salamandre axolote, si vous préférez, c'est d'où le salasalanomie, j'imagine. Ouais. Je... Je t'avoue, p... j'ai jamais... Pas pourquoi c'est une, une slime qui a ce fruit. Ouais. Euh... Bon, c'est effectivement une créature, en tout cas de ce que nous on en voit, voilà, qui est très explosive, qui émet du gaz toxique et tout. Mais comme c'est très conceptuel, euh, étant donné que c'est une slime qui a mangé le fruit, du coup elle est gluante comme une slime, mais du coup, elle a une représentation de salamandre, d'Axolote physiquement, mais elle a un mélange de tout. Euh, bon, elle en crée du gaz, mais peut-être pour faire un clin d'œil à Caesar Clown, mais il n'y a pas de logique de base. Mm. Euh, euh, on nous dit en force, ce fruit octroie à Smiley un pouvoir simple, se déplacer. En, e en effet, étant l'origine un condensé de gaz, Smiley ne pouvait faire le moindre mouvement, mais Dieu à la nature du fruit, il peut se transformer en animal lui permettant de se déplacer. Ce fruit est totalement immunisé face au feu. Les soldats du Ça, G5 mou. ont essayé de l'enflammer, ce qui a eu pour effet de la faire exploser en tuant les soldats, mais Smiley, euh, slime, euh, Smiley on va y arriver, a pu se reconstituer après de par sa nature de gaz. Voilà. Euh... Donc de par sa nature de gaz, il s'est reconstitué, de par sa nature de salamandre, du coup, on imagine, salamomi, Donc d'axolote, il résiste il au feu. Au feu. Mmh. Okay. Il y a euh, sa forme éveillée, c'est euh, Marestre, nous dit euh, -Si. C'est ça, c'est un Pokémon ça. en fait. Euh... fait. C'est un Pokémon. Bon, clairement, euh, c'est pas le fruit que j'aimerais manger, le fruit de l'axolote, je vous avoue, je vois pas quoi foutre avec. Et si en plus de non. ça, ça te permet juste d'être résistant à pas mal de choses, mais juste marcher. Bon, c'est très limité. Je vous propose de passer sur le Mushimushinomi, donc ça veut dire le fruit de l'insecte, modèle Scarabée Rhinocéros. <laughs> c'est le fruit du coup de Kabu, un des euh, Tontata qu'on découvre à ouais. Dressrosa. Ben écoute, euh, tu, ça te permet de te transformer en, en insecte et comme tu dis, en Scarabée Rhinocéros. Euh, tu peux passer euh, inaperçu dans la faune. Euh, Insectes, etc. Mais du coup, tu peux voler. Voilà, ça c'est quand même notable. Ça te permet de voler. Et du coup, j'imagine, comme le scarabée, tu dois avoir aussi une résistance physique. Parce que scarabée, il est censé, pas censé le scarabée pouvoir porter. Oui, des dizaines de fois son poids ou des centaines. super puissant scarabée. Et à chaque fois, tu vois même. En ce moment, je regarde Shangri-La Frontière. Il y a un putain de scarabée qui, euh, qui l'affronte. Et ce putain de scarabée, justement, il a des vertus avec sa carapace et tout ça. Donc souvent, euh, les scarabées, ils sont associés à une résistance et à une grosse force. Donc imagine un homme de taille normale, plus de là, c'est un tontata, donc c'est un petit truc comme ça. Mais imagine un gars de One Piece qui mange ce truc. Il pourrait être super balèze le scarabée. Ça pourrait faire un truc genre à la Dalton, tu vois, mais en plus de ça, il a une sorte de corne, un casque, et bim, il te met des coups de casque. Ça pourrait être intéressant pour un combattant. Bah, ce qui est ouf, c'est que tu vois, un scarabée de, de, de 0,25 grammes peut porter sur son dos 850 fois son poids. C'est beaucoup. Euh, donc autant te dire qu'il peut porter 200 kilos. Et donc, euh, on nous dit que les scarabérinocéros, euh, dont le nom provient de la structure en forme de corne que les mâles arborent sur la tête, sont capables de porter jusqu'à 850 fois leur propre poids, ce qui signifie qu'avec une telle force, un être humain pourrait soulever 65 tonnes. Donc en gros, il pourrait peut-être voilà. soulever un géant, non Ah bah ouais, je pense qu'un géant, il ne fait pas 65 tonnes. Hein. Ah, ça, je Mais ça, ça serait quoi. intéressant de voir justement un humain avec ce fruit. Bah oui. Bon, on le verra pas, en tout cas. On va passer à un autre Mushimushi -mushi no -mi", donc un autre fruit de l'insecte, mais cette fois modèle guêpe. Et c'est celui de bi Il ne fait pas d'effort, je vous le dis. Hein. Bi, c'est une guêpe. Oui, une, enfin, une, une guêpe, euh... bon pas que euh... parlé, mais Oui, effectivement, bon. Tu préfères quoi Tu préfères moi, avoir moi... le gros dard derrière qui traîne du modèle guêpe, mais tu voles et tu plus velte ou tu préfères être le gros scarabée bourrin qui tape des coups de tête dans les arbres et qui bah, il porte peut du voler caca. aussi le scarabée il et qui peut, peut il voler, peut aussi, voler mais aussi mais euh, ouais, ouais, ouais. pas pareil quoi plus lentement. J'aime pas les guêpes euh, les abeilles j'aime je, enfin, je, ah ouais bien les abeilles pour ce qu'elles apportent au monde euh, de manière générale parce Agricole. que sans abeilles euh, on, on meurt. C'est le bordel, euh, mais je déteste ces trucs-là. Ah, moi, tu me mets dans un jardin, il y a des guêpes et tout. Je supporte pas ça. C'est un bon truc, euh, je. Ah, j'aime pas ça. ça m... C'est des trucs, en fait, petit, je me suis fait piquer plusieurs fois et je me suis fait une fois piquer au cou. Donc, j'ai soufflé et tout. Donc, je pense que j'ai pas un bon rapport avec, euh, mmh. avec eux. Euh, donc, t'aimes pas Mais bu... J'ai trop fascinant. Bon, C'est pas que je l'aime pas parce que j'ai trop fascinant, en fait, ces, ces bébêtes-là, hein, les frelons, tout, tout ce qui tourne autour de, de tout ça. Mais de là en devenir un, euh, je sais pas. Euh... Je pas, je sais pas. Ouais, <laughs> Toi, aurais le bourdon. <laughs> Comme Didier. <laughs> c'est ça. Par contre, s'il y avait effectivement le fruit du bourdon, le, le gars, il s'appellerait Didier, je pense, le, le personnage. C'est sûr. On va passer du coup au Tori Tori Nomi. Vous savez que Tori, ça veut dire oiseau. Donc c'est le fruit de l'oiseau. Mais cette fois, c'est modèle albatros. Et c'est le fruit de notre cher Morgans. Morgans, hein, pas Morgan, Morgan c'est le capitaine Morgan's Morgan, hein, donc c'est le père puis ça c'est rien à voir. Morgans, qui du coup ça veut dire il est constamment en forme hybride en fait. Parce qu'il n'est pas en forme ouais. poulet, parce qu'il n'a pas les pattes poulet, euh, il n'est pas euh, comme ça poulet, il n'est pas en forme humaine, sinon il aurait son apparence d'humain, parce que c'est un humain du coup ça veut dire. Il ressemble à quoi le gars euh, 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 sinon, à part ça J'avoue. Moi je veux le voir. J'avoue. Parce qu'on l'a vu qu'en fait, fruit en fait. Parce que. Ils disent dans les futilités, le fait que Morgans ne puisse pas voler est assez ironique, l'Albatros étant connu pour être un oiseau qui vole sur de très longues distances. Pourquoi il s'envole de façon difficile Pourquoi il peut pas voler Apparemment, il peut pas voler. Donc le gars, il a le fruit de l'oiseau. C'est pas genre un oiseau random, un pigeon, un poulet qui peut pas voler, tu vois. Non, il a le fruit de l'albatros. Ah, je sais pourquoi. À cause de sa propre masse corporelle, Morgans ne peut paradoxalement pas voler. Parce qu'il est gros. Parce que c'est un gros sac. Donc, en gros, t'es en train de me dire que s'il prend forme humaine, c'est juste un gros. Et du coup, il peut, il peut voler. Putain, Oda... Oda putain, respecte les, les gens, les personnages. Putain, j'avoue, il y a un, ces disrespects là-dedans. C'est un, un homme en, en bon point... Il s'est dit, tiens, il y a un fruit, v'là je me transforme en albatros, je vais pouvoir enfin m'envoler. Et non, le fruit a lâché l'affaire, il a dit, non, vas-y frère, prends soin de ton corps, on voit après. Mm. C'est pite. Ouais. Oda, il se fout de nous là, putain. Non, ce fruit, il dégomme en vrai. Ce fruit il dégomme, bon, juste un long coup dégueulasse, mais sinon... Euh... Putain, tu voles, quoi. Et en plus, super rapidement et super bien, normalement. Mais faut fit, voilà. apprend, le, le, le exact, il faut être fit. Ce qu'on apprend, le message avec ça, c'est qu'il faut être en forme pour pouvoir utiliser ce fruit. Ouais, il faut être en forme euh, pour utiliser ce fruit-là. Le prochain fruit. Mesdames et messieurs, on est encore sur le Nawak, puisqu'on est sur le Inu Inu Nomi. Donc, euh, bon, voilà, on reste sur le Yinch. Sur le Modèle Tanuki. Bon, là, voilà, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas Tanuki Qu'est-ce que tu peux apporter Le seul problème, c'est. C'est que c'est une fucking bouilloire ou théière euh, qui a mangé le fruit. <laughs> Comment ça peut nous aider, nous ça Je sais pas. Je... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quand faire même faire qui aller. a mis le fruit dans la bouilloire. Et la bouilloire, au lieu de la cuire, elle a mangé elle le fruit. Elle s'est dit, viens, je mange le fruit. Mais peut-être qu'en la cuisant, peut... euh, c'est comme ça qu'elle a ingéré le fruit, la bouilloire. Peut-être. Ouais, coup, une bouilloire un... ça cuit pas, ça, ça ça chauffe, mais ouais, ça chauffe l'eau. Mais je pense que l'eau chauffée à 60 degrés, si tu mets un œuf dedans, tu vois, ça cuit l'œuf. Bon, ben là, peut-être ça, ça cuit le fruit, je vois, sais rien, mais non. Bon, le, le fruit du bon, tanuki en vrai, il, pourrait avec être, un... euh, il pourrait être euh, super utile parce que si c'est le tanuki qui est la créature mythologique japonaise et non pas euh, le tanuki, euh, le, le raton laveur, parce que le raton laveur on dit aussi tanuki en japonais. Bah, si c'est l'animal mythologique japonais, il peut Yohan. se transformer en ce qu'il veut, en fait. Le tanuki peut se transformer en humain, il peut se transformer en. On va savoir. Et donc, c'est un peu le mané-mané-nomi, en vrai. Donc, il faudrait voir des... euh, c'est quel genre de tanuki Est-ce que c'est le raton laveur Ou est-ce que c'est le tanuki ouais. mythologique après moi, je voudrais, euh, je voudrais savoir parce que là j'ai tapé, euh, tu vois, à la base euh, attribut euh, Tanuki, donc je suis arrivé effectivement euh, sur euh, le, le yokai euh, baké Tanuki. T'as tapé et attribut Tanuki. Tu sais qu'ils ont des grosses couilles les les Tanuki. Ils sont justement, j'arrive du pour coup ça. sur le le baké Tanuki. Il y a une grosse culture de Tanuki euh, en bois, euh, voilà, au, au Japon. Euh. Et donc euh, cette sculpture, euh, on voit qu'il a le ventre rebondi, euh, jusque-là d'accord, un chapeau de paille, euh, la gourde de saké et une fucking paire de testicules magnifique. Donc ma question, puisqu'on sait qu'ils ont des grosses euh, coronesses, est-ce que si un humain euh, bouffe ce fruit, est-ce que tu as des grosses couilles après ou pas voilà, Ah oui, c'est oui, oui, je... ah oui, ça la problématique. En fait. On ne sait pas si la bouilloire elle a mal. des grosses couilles. Et on rigole même pas, est-ce que vous avez vu le film Pompoco Regardez le film Pompoko, ils font des tapis avec leurs couilles et ils s'enroulent dedans et mmh. tout, mais je rigole même pas. C'est un, un vrai truc au Japon, c'est culturel, c'est. Euh, oui. C'est leur, 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 leur coronesse, elles sont utiles. Ils mettent l'utile à l'agréable. Même dans le folklore, euh, ouais. des... <laughs> folklore tu as des, des pseudo-kiyoé, -e, donc des pseudo-estampes. Bah bref. Et tu vois euh, des fois des, des Tanuki, ça m'avait marqué ça, tu vois euh, un, un Tanouki, il saisit euh, ses corones, la peau de ses corones qui fait limite la taille de son corps, en mode viens on va faire un tapis. Donc ouais, c'est. Mm -hmm. ah il ouais, ouais, y a Florian, c est, c est il dit, euh, vous voyez savoir. ce tapis, c'est la peau de mes mais c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Alors, moi j'ai quand même une question. Je me pose quand même une question fondamentale, parce que euh, dans Super Mario Bros. 3, Mario peut se transformer en Tanouki, c'est une des formes que je préfère de Mario. Ah. Or... <laughs> ah merde, parce que là c'est pas bah, le raton laveur hein. j'ai l'impression vu qu'il peut voler et tout. Ouais, non, c'est le Tanuki. Faire moi, Tanuki, en plus il est appelé comme ça Tanuki. Donc bon j'espère qu'il n'a pas les couronnes, qui va avec. Mais toujours est-il que si vous voulez accepter ce fruit, les amis, posez-vous les bonnes questions. Voilà, vous savez que vous allez peut-être vivre avec euh, un handicap physique. Bon. Ça va voilà. pas être le fruit que... On va passer sur un, autre. On va un passer déjà sur d'autres modèles, hein, parce qu'on était jusque là sur les zones normaux. Enfin, euh, zones normaux. Les zones euh, communs, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a les zones antiques. Donc, zone antiques, c'est intéressant. Et vous allez voir qu'il y a les zones mythiques. Ce sont deux trucs différents. Qu'est-ce qui différencie zones antiques et zones mythiques C'est que les zones antiques, ce sont des animaux, mais qui ont vraiment existé dans le vrai monde. Donc, euh, je ne sais pas, moi, le mammouth, par exemple, il est dedans normalement. Si je dis pas de la merde, ouais, il est dedans. Etc. Ouais, les zones mythiques... C'est aussi mythologique, donc c'est des animaux qui n'existent que dans le folklore, tu vois, qui est dans l'imaginaire, genre le phénix, genre euh, bah, Bouddha, du coup, ils ont mis euh, le kitsune, euh, le dragon azur, des, des conneries comme ça. On va voir du coup le premier zone antique, donc on passe sur des euh, anciens animaux, hein, vous l'avez compris, avec le Lyu-ryu-nomi. Liu c'est un dragon en japonais, mais c'est aussi le kanji qu'on va retrouver dans le mot. Dinosaur Kyoryu en japonais, donc ça veut dire, euh, dino euh, ça veut dire dragon féroce, littéralement. Ça. Et c'est le modèle Alozaure, donc c'est le fruit de notre cher Drake. Et ouais, du coup Drake, euh... en vrai c'était si fan de dinosaures. Et Dieu sais qu'il y en a des fans de dinosaures euh, de nos jours, gens qui sont fascinés par, euh, par ces, ces animaux. Ah, j'étais petit, j'étais à fond, hein. j'avais les fascicules et tout. Ah, Ouais. Ah ouais, forcément, les Power Rangers rouge, Jurassic et Park et Power Rangers, je crois, je crois les, les deux, ça a fait beaucoup. Beaucoup de garçons sont, sont fascinés ouais, ouais, par, ouais. Euh, par ça. Tu vois, je vais même dire, ah, c'est tout bête, mais euh, ma fille est à la maternelle, donc euh, première section, et elle s'entend très bien avec un copain. Voilà, ils sont tout le temps ensemble. Il adore les dinosaures. Donc j'entends toujours, ouais, mon copain, il aime bien les dinosaures. Quand on va dans les magasins de jouets, elle fait, ah ben, je pense qu'il aimerait bien le dinosaure. Donc pour te dire, même encore aujourd'hui. Euh, où il n'y a pas forcément les Power Rangers, il n'y a pas forcément les trucs, mais il y a d'autres choses, hein, d'autres dépictions. Il y a encore des garçons qui sont fans des dinosaures. Donc en vrai, je pense que ça fait partie, le dinosaure, du fantasme, euh, d'un certain fantasme, peut-être euh, de d'un homme, de rencontrer un dinosaure, d'avoir le truc d'un dinosaure. Donc c'est l'aventure. Ouais. Mais je pense qu'il y en a qui choisiraient ça juste parce que ouais je deviens un dinosaure. Je... Ouais, je deviens mais de un... ouf, ouais. mais en plus la Loser, si t'as pas moyen de mettre la main sur le, le T-Rex parce que tout le monde voudrait le T-Rex... Bah déjà ouais. la losaur, en bah, plus la losaur, il a de plus oui. grandes pattes, donc il a de plus grands bras. Mm. La taille, je pense que. Je veux pas dire de conneries, mais là par rapport aux images que je vois... Ouais, il est quand même, bah, là, suis quand suis même gigantesque, putain. Donc non, franchement, c'est... 8 m50. Entre 8 m50 et 9 m50, pour les plus grands euh, reconnus dans l'histoire. Enfin, là, j'ai une océans, screen... Euh, On voit que devant Kuma, ils sont à peu près de la même taille. Après, c'est l'animé, donc ça veut rien dire. Hmm. Non, en vrai, à Losor, c'est stylé, de ouf. voilà euh, en, euh... Dans la vraie vie, je ne sais pas trop à quoi ça servirait, si ce n'est vraiment d'en imposer et tout le monde... Euh, voilà, tu ravages tout, On ça c'est un fruit, de... ça, un fruit de... à envoyer en guerre. Sauvage. Hmm. Ah ouais, bah, ouais, ouais, ouais. ouais ça c'est clair. Hum, même si avec les armes de destruction massive des humains, je pense qu'un allosaure. Euh, oui, dans notre monde, crois, monde où, ça serait un peu, euh, ouais, ouais. Mais euh, effectivement, il euh, y a quelque chose de très... Ouais, de, de... De très, de très sauvage. Je, je pense que c'est vraiment un fruit plus pour le kiff que pour le côté pratique de 2024. Voilà, genre je me transforme en dinosaure, je fais ma petite balade et tout. Après, tu as les, les formibrides. Hein. Formibrides qui peuvent être... Bon, après, la formibride de... du spinosaure qu'on va voir juste après, elle est un peu dégueulasse, je trouve. On va déjà voir le mammouth avec le zozonomie. Du coup, c'est exactement le même fruit de base que la putain d'épée de Spandam. Hein. C'est le fruit de l'éléphant. Mais... Mmh, mmh. Modèle mammouth, qui en fait un zoan antique. Du coup, vu que les mammouths n'existent plus, c'est le fruit de Jack la sécheresse redoutable. Ce fruit, parce que le gars, c'est un homme poisson quand même. Il a ce fruit, il... Ah, il détruit tout sur son passage, quoi. Et surtout, je, on le sait aussi, c'est une spécificité des zoans antiques, euh, des Tobilopo c'est qu'ils sont super résistants ce qu'on va voir là ils ont une résistance de maboules et jack alors là il fait partie des de plus mammouth. résistants des il a une force mammouth. gigantesque déjà qu'il est hyper grand hein, parce que jack de base je, je ventre il fait 8 mètres trente de base mm -hmm. d'après Oda hein, Jack donc bon, euh, bon. forcément ça en crée un mammouth qui oh, devient euh... deux à trois fois plus grand que une qui est déjà euh, big et beaucoup plus grand qu'un humain moyen on nous dit qu'il peut détruire des bâtiments avec un seul coup de trompe, laisser des empreintes sur mm -hmm. le sol en marchant simplement avec des pattes euh, massives. Par contre, euh, la force que donne ce fruit est inutile si la cible peut y résister et la surmonter. Comme quand Jack se confronte à Ngualachine et Komamichi qui ont pu le stopper et même le retourner dans les airs. C'est dire euh, leur, il leur force. Aussi... Ouais, ouais. Il, il est du coup, à contrario, très lourd et très lent sous cette forme Donc, de mammouth étant incapable d'éviter euh, des attaques euh, rapides. Et il est affecté par les faiblesses standards des fruits du démon, bien que Jack pourrait survivre sous l'eau en tant qu'homme-poisson et ainsi immobiliser, alors devient immergé au fond de l'océan. Mais euh, ouais, ouais, c'est... Il euh... y a Nindo qui dit, en plus, les hommes-poissons sont déjà peu résistants que les humains normaux. Donc, ouais, 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 effectivement, non, c est, c est... Euh, il y a une double résistance. Tu m'étonnes que Jack, y soit... C'est un tank, en fait. C'est le fruit du tank. C'est ça, t'as résumé. C'est un tank. Le gars, tu... Tu le vois, pour le faire bouger, t'as intérêt à toi-même être armé euh, d'un sacré fruit euh, qui est en fait euh, le némésis naturel ou autre, tu vois, parce que sinon vraiment, mammouth, faut le, faut, faut le bouger le gros sac. Hein. Donc, Par contre, euh, j'avais pas remarqué un truc, c'est que il change de couleur dans l'animé. Au début, on a un mammouth ah bon, gris ah ouais. lorsqu'il est à zoo un et qui dévaste tout, et ensuite on a un mammouth euh, rougeâtre. J'ai même pas remarqué. Hmm. Il y a tellement... 150 000 épisodes dans l'animé et tu vois tellement 100 millions de personnages que quand tu revois un personnage mmh. que tu pas vu depuis 2 millions d'années, tu pistes même pas qu'il a changé des trucs. Non mais c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, mais parce que tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas fait gaffe. Donc euh, ouais ouais. On va passer du coup à un, à un autre Nomi. Hein, donc je ne réexplique pas ce que t'expliquais tout à l'heure sur la signification euh, dragon, euh, kyolyu, dinosaur, euh, enfin ouais, dinosaure, tout ça. Sur le spinosaur, spinosaur du coup de Page 1. Redoutable. Redou ah, il super son fruit. Hein. C'est juste que je trouve qu'il a une allure de enfin, dégueulasse vraiment en forme hybride. Mais sinon, le spinosaure, il est super rapide, il est vif, c'est un carnassier, il est dangereux, il est super résistant, il ne crève jamais, il s'est fait taper par tout le monde, il s'est toujours relevé. Non, c'est un très très bon fruit, encore une fois. Lui et l'allosaure, c'est mmh. vraiment pas mal, hein, si tu veux, des, des carnivores sans avoir le T-Rex, et qui peuvent en plus utiliser leurs bras, ce que ne pourrait pas faire le T-Rex, vu que c'est un gros poulet. Euh, non, non, c'est un bon. Euh un bon fruit, alors euh, assez moche, hein, mais euh, pas mal du tout. Bah, il Et est moche aussi parce que Page One il a une vieille mèche de base, donc ça te fait un dinosaure avec des mèches, quoi. Bon. Ouais ouais mais c'est pas ça moi, c'est plus la dégaine du dinosaure. <laughs> Par contre, il y a une spécificité, c'est qu'il a une sorte de. Euh, comment on dit, un aileron sur le dos. Ouais. Donc on imagine peut-être que le spinosaure... Euh... Après, je suis pas assez calé sur les dinosaures pour vous le dire, mais généralement, quand un dinosaure a un élan, euh, j'imagine qu'il peut aller dans l'eau. Avoir des je sais facilités pas quoi. Euh, à nager, ouais. ouais. Peut-être, ouais. Donc, ce serait un très bon nageur, hypothétiquement. Tant donné que les fruits du démon t'empêchent de nager, peut-être que euh, sur papier, c'était le cas, mais finalement. Euh, C'est vrai, putain, on l'oublie, on l'oublie, ça a beau être un bon nageur, mais du coup, ça lui sert à rien. Donc, cette. Que là, cette euh... Cette euh, merde, j'ai dit quoi un aileron euh, lui ça, hein. Président Nelto qui dit avec tous ces détails, on se croirait sur une chaîne pour animaux. Et t'as vu ça Mais on est des passionnés ouais, de. Bah Et tu parles à deux gars qui avaient des fascicules quand ils étaient petits. J'étais abonné, je te jure, j'avais des encyclopédies sur les animaux. Et je t'ai dit. Moi aussi, que plutôt, ça. tout. petit, j'avais les dinosaures. Donc, genre de zéro à. Enfin, pas zéro parce que c'est n'importe quoi, mais je me souviens plus, c'était à quel âge. Peut-être à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Euh, j'avais des trucs sur les dinosaures. Et ensuite, je sais quand j'ai déménagé vers 6-7 ans, euh, on s'est abonné à un truc, des gros classeurs comme ça, et je recevais toutes les semaines les fascicules des dinosaures. Donc moi, j'étais à, à fond. Donc je connaissais tout, je savais dans quelle zone géographique de la planète se trouvait telle espèce, etc. Donc euh, non, on est vraiment passionné par, par ça, t'inquiète pas. Ouais, mais, mais, mais en plus, c'est vrai, parce qu'il y avait les dinos. Et moi j'étais passionné aussi euh, d'un côté des j'avais des bouquins etc euh, genre les animaux les plus dangereux euh, j'adore non mais j'adorais vraiment regarder tu vois euh, ah ouais la veuve noire le scorpion le, tu as vraiment le requin blanc etc et, et du coup j'ai aussi été euh, passionné par euh, vraiment toute la euh, toute la faune animale mais euh, marine et même euh, abyss ça me passionne en fait les abysses, je trouve. Tu sais pas, c'est très mystérieux, etc. Ouais, on aime bien les animaux, nous. Euh, RPZ les animaux. Il y a plus de ouais. trucs qu'on connaît pas euh, sur les animaux et même sur les abysses que ce qu'on connaît. C'est ah déjà ouais, fou ça, de ouais, dire ça en vrai. Euh, parce qu'on ne peut pas les explorer, euh, les, les abysses profondes de la Terre. Hein, voilà, c'est une parenthèse, mais. Plus, plus haut en montagne, hein, ouais. un type Everest, que même distance, profondément dans l'eau. Bah, ce qui est ce logique, ce qui est parce qu'il y a la, de... la pression en fait. Et la, la pression fait qu'on ne pourrait pas survivre et résister. Donc. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. On va voir le c'est fascinant. Pteranodon, le Pteranodon qui me fascinait moi et que j'avais découvert quand j'étais petit. Euh, bah, oui. bah, en fait, Jurassic Park euh, c'était le combien le 2 le 3. Et puis également le... bah po euh, je veux dire Pokémon dans les Power Rangers. Il y avait le, le Pteranodon. C'est le pteranodon, c'est pareil, il faisait partie de, de, de mon top. Je pense qu'il était dans mon top 3 ou top 4 des, des, des dinos qui me fascinaient le plus. Il y avait forcément le t comme beaucoup de gosses. Il y avait le Triceratops, que j'adorais. Et le pteranodon, parce que bah, c'était LE dinosaure volant. quoi. Oui. C'est-à-dire, tu as une sorte Celui de. Celui il... ouais. ouais, Le truc, il a dit. Des tu vois des delta planes quoi et tu te dis mais ils ils volent avec une, une allure monstrueuse en fait il a pas des tu vois il a pas cette as pas cette sensation d'avoir ce que tu vois euh, quand t'es petit des ailes des plumes tu vois très voilà, très oiseau c'est Jurassic truc. Park Jurassic Park trois merci nourri du coup effectivement il me semblait que c'était euh... ouais c'est dans le 3 ouais avec, euh, avec son ouais, ouais, le 3, avec ouais. les fameuses cages et tout ça et euh, là il y a des y a des combats de ouf hein, dans, dans Jurassic Park 3 je les ai revus il y a un... Il y a un an Tous les Jurassic Park et les Jurassic World que j'avais pas vu, j'avais vu que le 1, donc j'ai vu aussi la suite. Ah, il faudrait que je les re regarde les premiers, moi ça fait très très longtemps que je les ai pas, pas vus. Enfin le 1, je le connais par cœur, mais le 2 et le 3. Mais je suis content, tu vois, Coda pour le coup il est donné le Pteranodon à un perso aussi illustre que King. Ouais, et je trouve qu'il l'utilise bien. Moi bon, à part les délires avec son masque où il fait n'importe quoi et tout ça, tu vois, il tire sur sa tête pour lancer, ouais, ouais, pour lancer son avec... bec. Déjà son bec il se lance, comment il fait le gars mais à part ça. Mais c'est génial parce que, étant donné qu'il est. C'est un lunarien, euh, que du coup, il manipule le feu et qu'il a, il a, il a du, du, du feu qui Qu'il a déjà des dos, ailes de base. Bah, putain. Ouais. Mais couplé au Pteranodon, le mix est génial. Ouais. Je pense que c'est pas que pour euh... rien que c'est une des. C'est une des, euh... des. Des armes de. Les plus puissantes de Kaido, en fait. C'est son, ouais, son bras littéralement. droit littéralement, c'est son, son second davantage encore que Queen, euh, qui serait plutôt le bras gauche. Euh, c'est pas pour rien. Hein, Quelque part, il y a une valorisation du Pteranodon aussi euh, de la part d'Oda, à travers le personnage. Ah ouais, King. Ouais. De toute façon, euh, franchement, sans Zoro en face, euh, c'était compliqué de faire tomber euh, King. Hein. La résistance physique, la rapidité mmh. du gars... Euh... Sa puissance, sa force. Mais là, toutes les caractéristiques que tu viens de, de dire, c'est marrant de, de relever qu'en fait, Queen les a aussi. Là où, tu vois... Ouais, mais la avec vitesse, un peu moins de style. C'est pas là où je l'attendrais. Et pourtant, le gars, il a le fruit du brachiosaur. Dinosaure gigantesque. Euh, un herbivore, du coup, à long cou. Tu t'attends mmh. à ce qu'il soit lent de ouf, mais le gars est super rapide. Mais aussi, je pense, parce que bah, il, il est surentraîné, mais parce qu'il a modifié son corps, donc il peut faire tout un tas de trucs de ouf. C'est un dino immense, tu l'as dit. Euh, tu, 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 tu. Il est plus grand que, que, limite, que Big Mom, qui fait 8 mètres de base. Il a un coup, il est sous testostérone, le gars. Mais c'est même pas limite, <laughs> parce qu'il est beaucoup plus grand que Big Mom, et il me semble que Big Mom doit l'attraper comme ça pour pouvoir le, le balancer quoi ouais, fait forme que c'est en fait, est un muscle quand, je... quand tu le vois euh, transformer tu as l'impression c'est un muscle sur pattes, en fait le par leader, contre le souci c'est que tu est... peux rien faire avec si t'es pas dans One Piece, si t'es pas euh, t'es juste une arme de destruction tu es le, le titan colossal de Shingeki. Shingeki en fait hum. tu es juste là pour raser les, les endroits Ou si tu travailles dans la construction c'est bien à la limite Ouais, là, serait plus C'est vrai que dans la vraie vie, il est plus handicapant qu'autre chose. Quoi. Tu vois, le pteranodon, il te permet de voler, etc. Tu as une certaine liberté. Le brachiosaur, bah, tu as vraiment les quatre pieds sur terre et euh, tu es bien implanté et donc tu, tu, tu traînes ta masse. Quoi. Donc, euh, ouais. Ouais. On va passer du coup euh, à un perso que tu aimes particulièrement. <laughs> du coup, euh, Liu Nomi, modèle pachycéphalosaure. Euh, très, très long à dire. Euh, le pachycéphalosaure, du coup, c'est une espèce de dinosaure euh, que Ulti possède avec des, des pattes euh, patte d'oiseau. Les oiseaux sont des dinosaures, donc euh, tous les oiseaux ont des pattes de dinosaures. Mais... Pachycéphalosaure, ouais, vraiment... c'est vraiment pas le dinosaure quand j'étais petit qui me faisait rêver, parce qu'il a une sorte de crâne chauve en fait, il a une boîte crânienne qui lui permet moine. de mettre des coups de tête, tu vois. Euh, on le voit dans Jurassic Park aussi, hein. Euh, mm. En train d'enfoncer des trucs avec sa tête, il me fait pas rêver avec Ulti. Je trouve que a si, si vraiment tu voulais faire quelque chose de ce fruit qui fait pas rêver, c'est pas le dinosaure qui hein, qui est le plus vendeur. Je trouve qu'Oda il a, il a réussi parce que je trouve qu'il correspond bien au personnage d'Ulti et il la rend encore plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà avec ses capacités crâniennes où le son Urugan là, son, ses coups de tête et tout sont super dangereux et. Il y a aussi toute la démesure du, de la transformation, c'est-à-dire que quand elle prend sa forme hybride, qu'elle se transforme à moitié en dinosaure, elle grandit de ouf, elle devient deux, mmh. trois fois plus grande. Euh, c'est assez impressionnant. Et je trouve que elle gagne. Enfin, non, le pachycéphalosaure c'est pas elle qui gagne, c'est le pachycéphalosaure qui gagne en superbe lorsqu'il est utilisé par le, le personnage, parce que tu as toute sa résistance en plus de zone antique qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est pas mal. Ouais. Si tu veux enfoncer des, des trucs avec ton crâne, euh, défoncer des portes, c'est si le envie fruit... De euh, à la finale euh, France-Brésil. Euh... Ouais, ou si tu viens... Euh, tu sais, à mon avis, les huissiers se déplacent avec quelqu'un qui a ce fruit-là, je pense. <laughs> il ouvre la porte. Bah, faut payer. Ouais, pense. <laughs> Après, il peut se déplacer aussi l'huissier avec le modèle Triceratops de Sasaki. Ça peut aussi enfoncer des portes. Ça Le souci, c'est que si lui, lui, lui. lui, il enfonce la porte, il enfonce la maison avec. C'est juste la, la seule ouais. problématique. Ça, c'était un des autres dinosaures qui me fascinaient aussi quand j'étais petit, celui-là. Mmh. Euh, vraiment, avec ses, 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 ses trois cornes et euh, son aspect euh, très euh, à la fois défensif et offensif. C'est vraiment un mix des deux, je trouve. Mais il était, il, je, je, je pense qu'il a été euh, aussi. Euh, Beaucoup mis en avant comme un, euh, comme un, comme un Némésis euh, naturel, puisqu'il a vécu à la même période que le Tyrannosaure, euh, dont il était d'ailleurs la, la proie. Et donc, comme on les voit souvent s'affronter, euh, tu vois, un peu comme ça, je pense que ça a créé dans l'inconscient ou la conscience des enfants le fait qu'ils oh, sont peut-être deux forces égales, tu vois. Moi, je suis tricérateur ah ouais des Tyrannosaures, <laughs> Ouais, dans, dans, mais non, mais dans le, le côté bagarre. Hein, alors que euh, bon, pour moi, le triceratops, oui, a toujours été la victime du, des, des, euh, des carnivores, mais euh, effectivement, il a des, des trucs très intéressants, vu que euh, comme c'est un herbivore, il faut, faut forcément qu'il se défende contre les, euh, les assaillants qui sont nécessairement des, des carnivores. Il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Du coup, il a ses cornes, il a ses protections, il a cette collerette, etc. Moi, je trouve que là, à l'inverse, ça, ça qui, il a un peu défoncé le triceratops. C'est-à-dire que la collerette qui tourne pour faire l'hélicoptère est volée, j'étais là, je Qu'est-ce que tu fais Ouais, non, moi ça m'a pas aimé. Hein. Le, le, le j'ai pas le aimé triceratops, je sais pas quoi, non, je sais pas. J'ai pas été fan de son. De son triceratops. à la hauteur de ce que j'aime du triceratops euh... ouais. en tant que dinosaure. Ouais, ça, tu vois là où le pteranodon il a été euh, absolument mis en avant de fou parking, bah ça sac, je suis d'accord avec toi, il n'a pas... Bon, il n'a pas représenté d'ouf le, 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 le triceratops, il l'a représenté. Maintenant, bon. Voilà. Après, euh, dans la vie, c'est pareil, hein, ça reste des dinosaures, donc c'est pour ça qu'on fait moins de. C'est un char. La vie, euh. bon, dans la vie, bah, littéralement, oui, ce sais. serait un char, hein, j'ai envie de dire. Tu défonces des châteaux, si tu veux. mais, ouais. mais bon. On va voir euh, un fruit assez inattendu, hein, puisqu'on est dans les zones antiques, on, on voit des dinosaures, des trucs comme ça, on s'attend à part à le mammouth. Qui est un animal quand même beaucoup plus récent. On s'attend à voir des, des créatures euh... monstrueuses, des trucs qu'on a vus dans le Jurassic Park et tout. Mais là, on va partir sur une araignée. Oh, Flo Poupe ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Oh, Flo mon Flo Un petit Flo coucou pendant une pause de mon marathon One Piece. Je suis au 949, donc un jour dans pas si longtemps, je pense, la bise. Oh, génial, Flo GG, bientôt Gégé avec bientôt nous, Flo avec Merci nous. beaucoup. En tout cas, il est membre depuis 18 mois sur la chaîne. Merci pour ton soutien, Flo. Toujours le gros soutien de Flo, ouais. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, On va revenir merci sur notre beaucoup. araignée ancestrale Rosamigale grauvo Gelli, ou grauvo Gelli, je ne sais pas comment ça se prononce, je sais pas. Une araignée, du ouais. coup, euh, qui a disparu, forcément. Une ouais, mégale préhistorique, apparemment. Et qui est le fruit de Black Maria. Maria. Est-ce que ça t'intéresse euh de te promener avec une grosse poche comme ça sous ton bide et de galoper avec, euh, c'est quoi, huit pattes Comme ça, en marchant sur le côté. Merde. Est-ce que ça t'intéresse Et de jeter des fils en permanence Oh non, mais ça, il n'y avait pas besoin, ça. Ouais, c'est le cas, Narini, nous passons le temps à faire des toiles. Ah, Dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse... Pas. Pas. Et je vois même pas, à part dans le monde de One Piece, ce que tu pourrais faire de ce fruit, en vrai. Dans le monde. Ah, pas monter mo bien. en hauteur, tu vois, genre. Bah, tu monter c'est souvent en hauteur après. mais ouais, euh. bien <laughs> sûr. Mais. Ouais, je suis monté en descendant. Enfin, c'était plutôt sous-entendu, gérer les, les, les le bas, le haut, quoi. Enfin, tu peux, tu peux, voilà, avoir une une troisième dimension à ce que tu peux faire en tant que bipède, mais. En vrai, il sert à rien sauf... Ah, si. Couplé avec le fruit de la chenille, il a de l'autre, là, de l'équipage de, de barbe blanche. Ils te font de ces coutures. Les gars, ils te font des pulls pour l'hiver. Un truc de ouf. Moi, bon, je te propose non, Aucun de... intérêt en vrai. Bon, c'est bien pour une œuvre parce que c'est impressionnant, mais on s'en fout. On va voir si le tigre à dents de sabre, du coup, le Neko Néconomie. -neko oh on reste sur le modèle du, du félin. Mais version tigre à dents de sabre. Qu'est-ce que t'en penses? Le chant, tu me dis, j'adore. Bah, Dis-nous ce que t'en penses. Euh, beh, le tigre à dents de sabre, j'adore. Moi, mon animal préféré. Vous savez, quand on est enfant, on a toujours un animal préféré. Quand on est adulte, on s'en bat les couilles complètement. Mais quand on est enfant, on a toujours un animal préféré. On a une couleur préférée, on a un animal préféré, on a je sais pas quoi préférer. Euh, voilà. Quand j'étais petit, je disais tout le temps, c'est le tigre, c'est le tigre, c'est le tigre. Et c'était le tigre. Ah, et C'est toujours... C'est marrant. J'adore les tigres. C'est le mien aussi, c'est marrant. Voilà. Mais, 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 mais. Le tigre... Ah oui, mais mien, autant ça le tigre rêver. beau gosse ou... Et c'est quoi l'ancêtre, euh, on va dire, euh, quelque part, hein, dans notre imaginaire d'enfant du, du tigre Forcément, tu vois un autre félin ancestral, c'était celui avec les dents de sabre, qui s'appelle tigre à dents de sabre en français. Sabre tiger. Donc... Quand on m'a annoncé que Ouzou possédait ce fruit, du coup, qui est un animal euh, qui a disparu, au même titre que le mammouth, là on n'est pas sur des dinosaures, hein. je me suis dit, putain. Et je trouve que Ouzou, il pue la merde. Ouzou, après avoir fait un monologue avec Jim où il a raconté sa vie, euh, son kidnapping et tout, <laughs> en vrai, <laughs> il m'a pas marqué son <laughs> Ces... Ces... Ces attributs de fruits en tant que tigre à dents de sabre, là où j'attendais du loup, je les ai pas vus. M'ont absolument pas marqué parce que le seul truc c'était un gag où en fait ils sont tous sur un arbre à chat. Quoi. Ils ont tous des smiles oui. ou des fruits de chat de merde et euh, ils sont sur un arbre à chat. C'était ça le, le gag en fait. Alors, ok, il fait du gagan euh... bon, il fait du il fait des gargarismes c'est bien. Mais je l'ai trouvé éclaté, en fait. Euh, je, je ne retiens limite presque que leur, euh, leur discours, normalement vrai, pour rigoler. et, et Donc euh, je, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais imaginons ce qu'on pourrait nous en faire, vraiment, si on avait le tigre à dents de sabre comme fruit. Il euh, y aurait moyen d'en faire une putain de dépiction. Oui. Tu pourrais te déplacer avec euh, la morphologie euh, d'un tigre à dents de sabre, donc très certainement avec une vitesse digne des plus grands félins. Avec une mâchoire, euh, bah, voilà, forcément euh, démesurément puissante, mais avec euh, en, en plus des, des dents euh, prêts à perforer euh, les plus solides euh, carapaces, limite. Non, en vrai, euh, tu, 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 tu serais dangereux, mais casse euh, casses tout. Tu casses tout avec ça. Mais pas Ouzou. Ouzou, euh, comme son nom indique, t'es qui mec T'es qui t'as fait quoi Mais Si, si, Ouzou, <laughs> il a cassé le sol. Quand Jimbei euh, il a retourné, il a cassé ouais, il dans, le, le dans le sol comme ça. Ouzou, il a, il a fissuré le sol. Mm -hmm. Bon, on va voir un, un fruit euh, qui, en tout cas, a été rendu plus intéressant par son utilisateur. On passe dans une autre catégorie, les oines mythiques. Donc des animaux qui n'existent pas dans la vraie vie. Le tori mm -hmm. tori, no mi, donc le fruit de l'oiseau, modèle phénix. Le phénix est oui. connu pour être immortel ou renaître de ses cendres. Ce qui fait que, du coup, ben, un peu comme si c'était un Logia alors que ça n'en est pas un, il est intangible, Marco, quelque part, quand, euh, quand tu lui tires dessus. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Euh... Moi, j'adore je, moi, je, le phénix de base. La, con la, la, le, le, la conception, tu vois, cet animal euh, mythique. Euh... Le phénix qui renaît de ses cendres, euh, qui, qui, tu vois, est, est, est à coquiner au feu, euh, tu vois, un petit peu, etc. Moi, tu sais très bien que j'aime beaucoup ce qui tourne autour du, du, du feu, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné et je trouve vraiment que la façon dont Marco le représente, avec une certaine classe, avec en plus ce feu bleu, donc, tu vois, qui démontre. Euh, un côté un peu... comment je peux te dire ça enfin, Comme il est docteur, ça fait... C'est des flammes un peu plus... Tu vois, enfin limite qui guérissent. Euh, qu a... Elles guérissent, c'est même chose... pas limite. Hein, que, comme c'est un phénix, en fait, il a des flammes au pouvoir réparateur, donc euh, ouais, c'est des flammes qui ne brûlent pas, c'est intéressant. C'est super intéressant. Euh... Moi, moi, je dans la vie, je trouve qu'il pourrait vraiment être incroyable, parce que déjà, il... Il te permet d'obtenir une forme d'immortalité, puisque, comme son nom l'indique, euh, le phénix renaît de ses cendres. Il te, il te confère. Ouais. Euh, en plus, tu voles. Intouchable, tu voles. Euh, le gars. T'es beau. Euh, t'es beau, oui, je suis désolé. C'est élégant, beau, oui. oui C'est important, pas, on l'a dit en élégant, début euh, de live, effectivement, magnifique. pour un Zwan. Ouais. Il est magnifique. Euh, non, non, il, sans, il, sans il sans est fruit. vraiment tu, pas mal. Ouais. Tu, tu te déploies, tu fais Ah ouais, euh, bon, t'es pas un vieux Tanouki, quoi, tu vois, avec des grosses couilles. Mm. Tout de suite. Non, il est vraiment pas mal euh... son fruit à hein, Marco. Et puis ouais. en plus de ouais, ça, génial. il a une résistance de ouf hein, parce qu'il contre l'attaque d'Akainu. Donc au-delà de ses capacités à lui, euh, à Marco, il y a quand même des capacités octroyées par son fruit qui lui permettent de résister au magma d'Akainu. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C est, c est, c est, tu, tu, comme tu dis, tu es intangible en même temps, tu es immatériel. Donc euh, tu ne sais pas trop à quel moment tu passes à travers, tu peux le blesser, pas le blesser. Euh, c'est beaucoup beaucoup d'atouts, je trouve, de ce de ce mythique là. On rentre mmh. dans, du, dans du costaud, je crois, avec. Euh, on va voir avec les mythiques. Si les autres Zoan mythiques sont à la hauteur, on a le hito hito modèle Dai littéralement le fruit de l'homme modèle Bouddha gigantesque. Euh, Est-ce que bah, c'est euh... un fruit qui sert au quotidien Non. Sauf si, tu veux, Sauf si tu veux être vénéré comme, vénéré euh, comme un dieu. Ouais, voilà, c'est ça, comme un gourou, euh, et tu fais genre, je suis un dieu, bim, tu te transformes en Bouddha, euh, en Bouddha géant doré, euh, et tu es vénéré. Mais sinon, c'est surtout une force de frappe, en fait. Hein. Ouais. Très peu utilisé, du coup, par Sengoku, parce que c'est Sengoku, du coup, l'ancien euh, euh, amiral en chef de la marine. Mm. Je vous envoie le lien. Ouais, non, il... il le possède, il possède, il possède toujours, il est pas mort. Et force de les rentes de choc euh... sont terribles. Oui, bah oui, avec la paume de la main, il peut frapper, etc. Après, après si vraiment Oda voulait être fidèle à tout ce que fait Bouddha, il peut tout faire. Oh, il peut le rendre incroyable. C'est un dieu, Sengoku, si vraiment Oda il le veut. Parce que Bouddha, ce qu'il fait dans les, dans les récits, dans les histoires, dans les contes... Dire, oh bah, un, à chaque fois, c'est un, un... Ah ouais, 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 ouais c'est cheaté de ouf, hein, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est euh... pour ça que Sengoku est encore là, on n'est pas à l'abri que demain, peut-être lors d'une grande guerre finale ou autre, il puisse euh, euh, revenir et euh, Oda euh, s'amuser à lui apporter vraiment un peu de cheat. Quoi. Parce que bon, bah, il a quand même un fruit cheaté. Donc, ce serait bien de l'utiliser un petit peu, si nécessité il y a. Mmh. Parce que là, c'est vrai qu'on l'a vu vite fait à Marineford, mais bon, on n'a pas vu grand-chose de ce fruit. Du coup, difficile d'en parler pour le moment. Il n'y a que l'imaginaire hein, qui peut le faire. On va passer sur le fruit de... Momonosuke, qui n'a pas ah, de nom. Que, attends. En fait, ils le mettent dans les mythiques, mais c'est un fruit artificiel. Donc, on le fait dans les furets artificiels On le fera dans les artificiels. Allez, let's go. On va passer sur oui, l'original, du coup. Plus, hein. On va sur le Uo Uo, modèle Célieu, donc le fruit du poisson. Uo Uo, mais modèle dragon azur. Donc, en fait, tu es un dragon azur, littéralement, c'est celui de Kaido. Je pense que c'est l'un des fruits les plus puissants qu'on ait vu jusqu'alors. Alors, outre le fait que Kaido, évidemment, soit euh, déjà la créature la plus puissante, c'est un fruit qui te permet de modifier le climat, qui te permet de faire un panel d'attaques exceptionnel, qui te permet de modifier l'environnement en plus du climat. Donc, je parlais des cieux, je parlais des nuages, je parlais des éclairs, je parlais du vent que tu vas envoyer, des tranchants de vent. Mais je parle maintenant de soulever carrément des îles et des trucs comme ça. Hmm. Il, est, il est aberrant, son fruit en vrai. Dans, tous les, dans tout ce que tu as dit, hein. physiquement, dans ce que tu deviens, que ce soit hybride ou que ce soit euh, le dragon euh, géant qui s'élève dans les cieux, pourquoi il est dans les mythiques pour ceux qui, effectivement, ce so Kadim, euh, fruit Magicard? parce qu'en fait, il est inspiré du mythe de la, euh, de la porte du dragon, en fait, hein, qui, dit que les, qui raconte en fait, que les cartes qui réussissent à à remonter le courant et franchir les cascades, se transformerait en, en dragon, ce qui donne la légende de Magikarp qui devient du coup effectivement le Léviator. Bon, il fallait en faire quelque chose, euh, puisque ça prend naissance dans ce conte, euh, dans ce mythe, il fallait en faire quelque chose de mythique. Bah, pour le coup, bah, Kaido... Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la façon dont Kaido a développé son histoire et son personnage. On parle du fruit en tant que tel, Dévastateur. Dévastateur, Dévastateur. c'est l'un des meilleurs. En plus, tu te transformes en dragon et tout, voilà, tu vas être tranquille, tu, tu, tu peux voler en plus de ça. Tu t'en vas ouais. où tu veux, tu veux faire un carnage, tu fais ton carnage, il crache du feu, il détruit les îles. Il... Vraiment... Ouais. Euh, pff, rien à dire. Ce, ce fruit, euh, c'est un fruit de liberté et un, un fruit de dangerosité et de, de puissance. Moi, pour l'instant, c'est ce que j'en dis. On verra s'il nous plaît. Au final, parce que rappelez-vous que... À la fin, on vote tous hein, pour notre oui, tous, hein, fruit, aussi. du coup, zoan préféré. Là, on n'est que sur des zoans qui sont des zoans originaux. On ne fera pas les zoans euh, qu'on s'appelle artificiels aujourd'hui. Et on va voir le Inu Inu no Mi, modèle Kyubi no Kitsune. Donc, Inu Inu, c'est le fruit du chien. Mais on part sur le renard, à neuf queues, cette fois. Kyubi no Kitsune, et c'est le fruit de notre chère Katharina Devon, qui, du coup, a les aptitudes du Kyubi no Kitsune dans le folklore japonais, à savoir ce renard qui a la capacité de prendre diverses formes et de se transformer en ce qu'il veut, en humain, pour jouer des mauvais tours notamment. C'est ça. Euh, C'est un bel animal euh, de base, mais euh, pour le coup qui a été donné à quelqu'un qui est physiquement dégueulasse. On pense autre chose, on s'en fout un peu. Euh... Merci pour ta définition. Ils nous disent, parce que. Non, non, mais ce que, en fait, ce que je veux voir, c'est vraiment les principales forces de ce fruit. Euh, donc, tu te transformes en cubicle, ok. Peut se transformer en une personne différente suffisamment bien pour tromper des connaissances de cette personne, ok. Katharina Devon doit toucher les personnes dont elle veut prendre l'apparence. Elle le fait que la main droite, mais on ignore cependant si elle peut le faire des deux mains ou chaque main a une fonction différente, comme un Mister Tzu. Ok. Euh, Mr. Tzu. En termes d'agent secret, vraiment, tu veux t'immiscer dans les choses, t'infiltrer. Prendre l'apparence, la personnalité limite de. sur cet aspect-là, euh, t'es. Pour moi, c'est comme le mané-mané. C'est un fruit comparable au mané-mané-nomi qui est un paramécia. Donc le mané-mané, rappelez-vous, c'est le fruit du. Ils ont appelé ça le fruit du travesti, mais je trouve pas que ce soit adapté. Hein. Ils ont juste voulu coller à bon clé, mais la vérité, c'est que. Mané, c'est euh, une imitation, en fait, en hein, japonais. Donc c'est le fruit de l'imitation. Ben là, c'est le fruit de l'imitation, mais. Chez un Zoan. C'est juste ça en vrai. C'est juste ça. Oui, c'est ça. Donc en fait, euh, ah le fruit de l'imitation a été pris. Bah merde. Ah bah tiens, un fruit d'un animal. Bah, jamais je pourrais me transformer en qui je veux ou quoi. Bah si. T'as le Kyubi no Kitsune. Donc le Kitsune, il, il joue des tours dans le folklore japonais. Il se transforme en homme et tout. Et il les roule et tout ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé du Tanuki aussi qui peut prendre les apparences des hommes. Euh, et le fruit du tanuki, bah, on l'a vu dans une soupière, mais est-ce qu'il existe aussi euh, ailleurs Je ne sais pas. En quel cas, il y aurait peut-être la possibilité encore d'avoir un zone qui se transforme en, en humain. Mmh. Moi, en tout cas, dans la vie, euh... Pff... sauf peut-être dans de rares occasions ou vraiment machin, mais... Prendre l'apparence de, de quelqu'un, euh, j'en verrais pas forcément l'utilité, parce que devenir quelqu'un m'intéresse pas forcément dans la vie. Ça peut servir, selon vraiment euh, si tu as besoin de t'infiltrer quelque part ou jouer un rôle, mais si c'est pas pour des fins, euh, tu vois, vraiment euh, de euh, enquêter, euh, une guerre, euh, s'infiltrer et tout. Bah, si c'est juste passer ton temps en fait, à vraiment devenir jusqu'à physiquement quelqu'un d'autre, je ne parle pas du jeu d'acteur, hein, mais vraiment mmh. physiquement tu es plus toi, bah, c'est dépersonnalisant en fait, donc je ne vois pas trop oui, oui, Non, c'est plus un truc, euh, oui, c'est ouais, pour les agents secrets, les acteurs, les gens d'infiltration, hein, qui tu veux. Mmh. On va voir un peu le hito -hito Donc le, le fruit de l'homme, modèle Ognudo. Donc Ognudo, pour ceux qui se posent la question, enfin, Ognudo. Ça se prononce comme ça parce qu'il y a des euh, prolongations de sons partout. C'est un Yokai, euh, un monstre surnaturel japonais, du coup du folklore. Euh, C'est l'espèce de... Vous savez, quand euh, le chien de... Le chien de... Onimaru. Kawa... Hein Onimaru le chien. Ouais. C'est le chien de... Comment De Kawamatsu. Ouais. Bah, quand le chien de Kawamatsu, donc Onimaru, il se transforme en géant. Et il barre le passage, il barre la route sur le pont. Bah c'est ça au niveau en japonais en fait, Une sorte de yokai comme ça euh, qui ne euh, te laisse pas passer. Euh. C'est ça. Donc en fait c'est juste ça Ça nous fruit. dit que ça confère à l'utilisateur non humain l'intelligence humaine et la capacité de parler le langage humain. Comme tu le vois, euh, comme tu l'as précisé, il, voilà, on a vu que euh, était devenu un humain de 4 mètres de haut. Voilà, oui bon bah, c'est ça, ça te donne des. C'est juste physique humain, plus intéressant plus, plus. pour les animaux ouais. en fait. C'est intéressant oui, seulement oui. parce que lui c'est un, une sorte de renard le, le Onimaru c'est tout. Donc en fait lui il peut se transformer en homme du coup. Mais en vrai en, tu en moi, le ok. fruit de d'eau à un homme bon juste il est plus gros plus fort euh... bon voilà quoi. C'est très intéressant. Ouais. On va voir le Hebi le Hebi donc ouais, Hebi c'est un serpent hein. Je dis je dis ouais ouais on va on va en venir. C'est une bah, grosse exception ouais, bah, pour moi dans le monde bah, de One on Piece. On va pas le voir si je finis pas la, la phrase. Euh, le Hebi Hebi, du coup, Hebi c'est un serpent, mais c'est pas un serpent qu'on va voir, même si ça fait penser évidemment à un serpent à plusieurs têtes. C'est le modèle Yamata no Orochi, le fameux monstre à plusieurs têtes du folklore japonais. Yamata no Orochi, un fruit possédé par. Bah, comme son nom l'indique, Kurozumi Orochi. Euh, bon, on n'est pas très loin de l'hydre, hein, mais sauf que là on est vraiment sur le Yamata no Orochi euh, de la mythologie japonaise. Euh, qui est purement dépeint comme mauvais et dangereux. Euh, bon, il aurait pu être dingo ce fruit dans ce qu'on aurait dû en voir. Moi, j'ai été déçu, c'est ce que ouais, je disais. Pareil. Euh, parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir une lutte acharnée où il fallait lui découper toutes ses têtes et qu'à chaque tête ça allait être un, un combat de tout instant, qu'il aurait vraiment été la représentation même de ce qu'il a toujours été pour Wano Kuni, à savoir euh, le, le, le salopard dont tu as envie de, de, de couper la tête justement. Euh, et ben, ça se serait matérialisé par cette succession d'épreuves pour en venir à bout et on aurait compris la lutte que ça aurait été pour le commun des mortels de Wano d'en venir à bout de ce salopard là non comme le dit Atalarxi si, moi du dans l'iel hein. yep. utilisation claquée claquée claquée, 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 claquée. Et même claquée en même en, en plus le, le, le retournement en mode on lui coupe la tête il est mort Orochi qu'on Kaido lui coupe la tête alors que Orochi est forme humaine mais on savait qu'il avait ce fruit. On se doutait qu'il allait avoir un délire comme ça. Il s'appelle Olochi. Flo -poupe ça Sale fou, va. Oh, Flo oh, ça fou. Flo, on lui parle comme ça. Parce par que. Terre. Et on sait comment il est. Et à chaque fois, il fait, des... il fait des coups comme ça. Merci beaucoup, mec. Sale fou, va. Vraiment, c'est. Pourtant, Odin, il a confirmé. C'est un dingue. C'est un dingue, Flo. Merci beaucoup. 10 dollars trouvés par terre qui dit en plus cœur. avec son message. <laughs> ben, c'est très gentil, merci, Flo. Merci mon feu. Et pour revenir sur ce qu'on disait, du coup, euh, Oda confirme ce que la plupart d'entre nous pensaient, qu'il fallait décapiter l'utilisateur du fruit Yamata Orochi no huit fois au total pour le tuer, ayant 8 vies au total. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il a pensé à faire un truc de dingo, et il en a fait un truc éclaté au sol la au point que euh, à la fin euh, c'est un, une vieille charte dans le pied qui le paralyse. Oui. C'est nul. Granite marin. Nul. Bim, euh, il nul. perd son pouvoir, il brûle avec son copain Cangelo. Euh, Plus la mienne. Non, plus Toutes la merde. La dépit. dans One Piece, plus la merde. En plus, le, le mythe de l'hydre, nous, on l'a. Dans notre culture, dans notre héritage culturel, on l'a. Oui. Mythologique et tout ça, mythologie grecque et tout. Les Japonais, ils ont un truc similaire. Donc, on le comprend. On l'avait perçu. Donc, on s'imaginait tous, voilà, les Européens, les Asiatiques et tout, on s'imaginait tous un truc de ouf. Et Olochi, plus la merde. Non, il est plus la merde, je suis désolé. Alors, maintenant, si tu bouffes ce fruit, oui, t'es super dangereux et surtout, t'es quasiment immortel. Il faut te trancher la ouais, bonne tête ou toutes les têtes, fois. je crois. Donc, euh, oui, les huit têtes. Euh... Ouais. têtes. C'est compliqué. Il y en a hein. une principale, mais effectivement, c'est compliqué de devenir à bout de toi. Mais, mais j'aurais voulu qu'on le ressente ouais, dans le One de Piece, de qui n'a pas été le cas. Dans la vie de tous les jours, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, facile d'utilisation et facile de au quotidien Je suis pas sûr. Quoi. Parce que bon, dès que tu te transformes, tu as 8 têtes. Euh, à quoi ça peut te servir Sauf si tu vas au Flunch et tu as envie de faire bonne chère. Euh, bon, euh... bah ouais, bien ça. Bon, par contre, ça doit voilà. coûter cher en assiette. Euh... Ma... Et en mais à part ça, il n'est pas très pratique, je trouve, comme fruit, euh, si ce n'est représenter un bon, un, un bon méchant. Euh, bon... On va voir euh, le on fruit de Yamato. Sur Yamato. Ouais. Le fruit de Yamato, du coup, qui est le, qui... on va arriver à parler français, qui est le Inu Inunomi, donc encore une fois, le fruit du chien, du toutou, mais modèle Okutino Makami. On s'attendait tous à ce que ce soit le kilin, tu sais. Le kilin, c'est un animal mmh. mythologique euh, célèbre en Asie, au Japon, tout ça. Euh, on imaginait euh, un, un être avec des cornes, avec des crocs et des trucs comme ça, mais pas du tout. no Makami, du coup, c'est une déification du loup japonais qui a aujourd'hui disparu. Donc en fait, c'est une sorte de loup. Tout simplement, mmh. mais on une bête sacrée. Euh... Ouais, c'est ça, euh, considérée comme protectrice euh, du coup des, des, des humains. Et finalement, euh, bah, ça lui va bien, notre chère Yamato, de par le rôle qu'elle a et euh, le, le, la position qu'elle prend, en, affron en affrontant directement son père qui est juste aux antipodes du fait de vouloir euh, protéger les humains de Wano. Donc finalement... Euh, elle en... Je trouve qu'elle endosse très positivement ce fruit, pour le coup. Tu, vois, tu te dis ok, d'accord, ça lui va bien. Mais Flo Flo an en fait, 20 dollars trouvés par Merci mais Flo, mais merci. Hier, merci. J'étais ben, sur la page de merci. Yamato, du coup, je l'ai pas vu. Merci beaucoup, Flo. il s'est cru, tu sais, genre au poker. Allez, je remets... Euh... Merci, oh, Flo. merci, Flo. Merci, tu, Flo. Tu, Toi-même, tu sais. Merci. Merci, merci infiniment à, à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Euh, des vous cœurs dit pour Flo vous soutenez la chaîne Let's vous soutenez go. les chaînes vous assurez notre pérennité vous assurez le fait qu'on puisse mois après mois vous proposer de plus en plus de contenu merci vraiment les amis du, du fond du cœur merci euh, plutôt stylé je vais pour mettre le un coup, peu je... dans, le tien, dans le chat ah bah voilà un petit toutou c'est mignon ça petit toutou en l'honneur euh, du toutou que représente Yamato il est plutôt stylé euh, bien... Bien physique aussi euh, la façon dont elle euh, s'en sert euh, Yamato je trouve. Mais elle a même euh, des capacités qui lui permettent de s'envelopper de glace et mm. de... de résister du coup aux attaques et tout. C'est une armure de glace je... littéralement. Et voilà on voit le, la notification de Flopup. Merci. Elle a des trucs assez surprenants quand même, des trucs que, bah, du fait de son aspect mythologique en fait, qui sortent de ce qu'on pourrait attendre déjà, ne serait-ce que d'un loup évidemment. Donc là, tu vois, mmh. là, typiquement avec, je trouve, Yamato, on a ce qu'on aurait voulu voir avec Jabula. Ouais. Oui. Quelque chose de plus classe, de plus gracieux et de qui colle vraiment à l'animal ou en tout cas l'idée qu'on peut en avoir, euh, que ce soit sa forme hybride ou que ce soit sa forme animale. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un, un côté très très classe, c'est raffiné je trouve esthétiquement. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais bon, tu vois avec cette euh, comment cette euh, je sais pas comment appeler ça cette brume, ouais ce ruban de brume, euh, c'est Suicune. froid. Ouais c'est ça, ça fait un peu suicune, ouais c'est ça. Non mais moi je trouve que c'est ça fait vraiment très louve protectrice. Euh, ça a bien été, il a bien été fait, je trouve. J'aime bien. Mais bah l'esthétique est là, et, et euh, c'est les... là que tu vois que ouais. Oda, même si t'as le style One Piece où euh, c'est souvent à moitié sérieux, à moitié cassos, ou à moitié cassos, à moitié sérieux, tu le mets dans le sens que tu veux. Mais tu vois quand si il, il veut, veut, veut c'est ça sait faire. en fait, c'est juste sa volonté en fait, parce que Diaboula et les autres avec leur tête euh, demi-chien, avec un museau comme ça dégueulasse, banane, dalmatien et tout ça. Il se, fout de notre gueule, il se fout de notre gueule, il se fout de notre gueule, il sait faire des trucs comme Yamato de en mode louvre, mais, euh, mais non, ça il, il conserve que, euh, que pour quelques personnages qui veut rendre euh, stylé évidemment. Ouais, bon. c'est ça. On l'a tous vu en animé et en manga, du coup on peut y aller. Le Hito, Hito no Mi modèle Nika, il s'agit du fruit de l'homme modèle Nika, le dieu du soleil. C'est bien sûr le fruit mmh. de Rufi. Pas bah, de Luffy, hein de Luffy, euh, qui jusque maintenant était le Gomu Gomu Nomi. C'est donc pour ça que notre cher euh, Luffy, euh, qui peut-être si on avait fait cela il y a quelques années, euh, aurait été parmi les les, les paraméciens, et qui finit du coup dans les Zoanes. Euh, c'est un Zwan. c'est euh... fou de se dire que le héros, en fait, c'est un Zwan. <laughs> depuis le début. On se disait tous, tu sais, les Zoanes, c'est des animaux, ou des trucs comme ça, ou c'est des animaux qui deviennent des hommes. Mais lui, mmh. non. C'est un homme qui devient... La personnification d'un dieu. Ouais. C'est un dieu qui... qui tape des barres. Ouais. Ah, si t'aimes taper des barres, si... c'est pour les humoristes, en fait. Voilà. C'est ça, ou pour être public chez les humoristes. Tu sais. Sais, euh, tu mais c'est que... vrai que, comme le dit nourri il est complètement pété le fruit. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Flo Mais Flo Flo il est pété aussi, il n'y a, que... a pas que Luffy. Hein. Mais Flo il est aussi pété dans sa tête que je, je regarde les futilités et dans un SBS, Oda a répondu à la question d'un fan qui lui a demandé si le pénis de Luffy pouvait s'étirer. Et l'auteur il a affirmé que oui. Que était Mais qu'est-ce qu'il a à répondre à ça En, en plus, il P. sélectionne les questions, sans voir. pourquoi il répond à ça ouais, Il le sait, il, il répond, il répond, il répond. Oui, oui, vous pouvez le voir durant l'arc Amazon Unique. Ensuite, Pi tente de retirer ce qu'elle pense être un champignus proliferatus. Voilà. Donc, ce fan qui est éclaté à poser ce genre de questions, c'est Flo qui est aussi éclaté à faire des super chats alors qu'on lui a rien demandé. Flo, tu apprécieras la comparaison, bien, bien évidemment. évidemment. Merci bien beaucoup. c'est pour ça que je fait. A Merci infiniment, Flo. Euh, là, tu as, as éclaté le compteur. Merci. Merci, merci. Merci du fond du cœur. Merci. Toi-même, tu sais euh, ce que ça représente pour nous. On en parle suffisamment. Mmh. Donc, euh, merci, Flo. C'est gentil. Merci. À Talansi qui dit euh, On n'a sans doute pas encore tout vu de Luffy. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Enfin, du fruit de Luffy. Tu as raison. Parce oh, que oui. c'est vrai qu'on a vu ce qu'a dit tout à l'heure euh, Nourri. Il est complètement pété déjà le fruit euh, au stade actuel. Mais se dire qu'on n'a peut-être pas tout vu et qu'il y a encore des trucs <laughs> inimaginables. Coda nous réserve avec le fruit, c'est quand même un truc de ouf. Ouais, et puis en plus, je trouve que c'est un peu ce qu'on disait lors des lives des Paramessias il y a des utilisateurs qui font clairement briller leurs fruits qui, sur papier, au départ, ne fait pas rêver. Tu vois, le Ito-Itonomi de Doflamingo, tu dis, t'as le fruit de la ficelle, frère. Enfin, je... Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais en foutre Et quand tu vois ce que Dofla en fait, tu fais, ah ouais. Et bah ben là, c'est pareil, on te donne le fruit du caoutchouc. Au début, tu fais, ok, bon. Euh... Mais je vais m'étendre et après je fais le singe ou Mais littéralement Mais on voit quand façon... il est petit. Moi ça m'a intéressé quand à l'époque on savait pas que c'était un zoan et que c'était vraiment un Paramecia Il y avait cet aspect dans One Piece où véritablement on comprenait directement que selon l'utilisateur et comment il s'entraînait, euh, son fruit allait être utile ou pas. On voyait le avec son fruit du mmh. caoutchouc il tentait d'étirer ses bras, il faisait n'importe quoi, son bras il partait par là, il faisait un arc de ça cercle et ça faisait du caoutchouc mou, je sais pas quoi, bon il arrivait à rien. Mmh. Et on a vu qu'il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné pour pouvoir faire ne serait-ce que le gomogomono pistole, lancer son... l'étirer son poing pour faire un coup de poing euh, aussi rapide que... qu'un bah, qu tir de pistolet, que sais-je. Donc ouais, déjà, ça, il a, il a, il est, ça c'est il un il truc de... Ça c'est un tout de tellement Donc euh... déjà il y a une maîtrise de, de du personnage et se dire qu'en fait c'est bah. un Zoan donc qui transforme tout, il transforme littéralement son environnement, c'est qu'il a abouti à une telle maîtrise que maintenant tu vois il a même plus à réfléchir en fait. Juste il pense à un truc. Bah. Juste il l'imagine, euh... il peut le faire. Quand, quand tu quand tu tu te rappelles déjà quand tu arrives au, au Gear Secondo où en fait il a une telle maîtrise de son corps. Même au, au niveau, euh, comment on appelle ça, euh, pas atomique, mais euh, comment on dit quand tu as macroscopique Je Microscopique as Microscopique, ouais, mais micro ouais, ouais, bon, donc... Mais physiquement, il arrive jusqu'à étirer ses vaisseaux sanguins, tu vois, pour augmenter ton flux sanguin, pour qu'il soit plus rapide, au détriment forcément de ton énergie. Après, il passe au gear third où il, là il met de l'air dans ses os pour augmenter le volume de son corps. Tu te dis, wesh, et après il modifie ses muscles. C'est-à-dire, il dit, vas-y, je modifie la structure musculaire avec mon acquis, je fais le gear force, je deviens un singe, un snake, il y a quoi Donc, c'est là où, je, où je, tu vois, je mets de l'eau à ton moulin, c'est que c'est une maîtrise, mais plus que incroyable de son corps. C'est une quoi. maîtrise bonnie. Tu vas maîtriser tes os. Wesh, moléculaire. Merci xénocore euh, Mais Xenocor, il s'y connaît encore, c'est pour ça. Ouais, ça xénocore Non, vraiment, en vrai, moi, je trouve que le fils, c'est balade. C'est, un des exemples. Euh, bon, c'est le héros, et tant mieux. Mais c'est un des exemples de comment savoir utiliser euh, son fruit pour les nuls. Tu vois, de faire un bouquin, c'est. <laughs> euh, pour le, le, le moment, c'est peut-être même. Euh, bon, après, c'est, c'est logique. Tu me diras, c'est le perso principal mais c'est quand même cheaté, enfin ça pourrait être un antagoniste, hein, genre euh, un antagoniste d'une telle démesure que le protagoniste serait obligé de s'entraîner avant de pouvoir se frotter à lui et du coup on a un peu plus vu de, de ce que pouvait faire l'antagoniste mais c'est pas le cas dans une piste c'est clairement le personnage principal qui possède la plus grande panoplie et la plus grande maîtrise on va dire d'un fruit du démon qu'on ait pu voir et le plus gros cheat aussi parce que le gars peut tout faire maintenant qu'il est éveillé il peut modifier son environnement Peut certes se protéger avec l'environnement qu'il transforme lui en caoutchouc mais il peut te transformer toi en caoutchouc et ça c'est mmh. totalement niqué ça c'est niqué c'est aberrant même en fait ouais c'est ouf c'est ouf non vraiment notre héros il représente le game hein. pour le coup il a ouais. heureusement qu'il y a joies. quand même des euh, des contre coups tu vois il peut pas l'utiliser tout le temps quand il utilise trop il est cramé il tombe au sol et tout ça il y a des limites non, vraiment bien. J'ai pas plus à ajouter, mais même dans la vie en soi, il, il est pratique. Hein. Ouais. Euh, tu veux attraper quelque chose, t'as pas envie de te lever. Euh, tu veux même, euh, pas, moi, Toi, tu peux pas, tu, peux pas, tu peux pas littéralement voler, mais en vrai, tu peux, tu peux te la jouer. Euh, Spider-Man bah, si tu veux. Il y a So veux, qui dit, tu, attends, tu... il peut voler grâce au Gear Force. C'est vrai, il peut se propulser. Ouais, c'est vrai que le Gear Force, tu peux ah ouais. te propulser, tu peux, tu peux. Ouais, 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 tu il peux peut voler, voler grâce au Gear Force. Oui. Tu, 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 tu tapes assez fort, tu, tu peux aller vite avec les maîtrises du gear secondo, tu peux détruire des bâtiments en surd. Résistant aux éclairs, tu peux changer des ampoules sans avoir à éteindre le courant, non, c'est bien. Ah, c'est magnifique. Et puis en plus, tu peux taper tes meilleurs bars en gear first. Non, en vrai, il représente le game, Luffy beau gosse. Non. Un petit peu moins le cas pour Pégase. Ouais, mais par euh... contre, rappelez quand même le point faible aussi de Luffy outre l'eau. C'est les attaques tranchantes, effectivement, nourries. T'as, as, mmh. bien vu. Oui, tu voulais nous parler de Pégase, hein, le Uma Umanomi. C'est le deuxième Uma, Uma, ben Uma oui. Mi qu'on voit, hein, le deuxième fruit du cheval. Mais cette fois, c'est modèle Pégase, donc c'est littéralement Pégase. On sous-entend même pas que c'est un cheval. C'est pas le fruit de pierre, hein, c'est vraiment le fruit de de ce cheval mythologique. Ah, il pue la merde. pourquoi il n'y a que des chevaux claqués euh, dans, dans One Piece À un moment, c'est un oiseau qui mange le fruit du cheval. Là, c'est quoi ça je ne me remets pas du commentaire de Nindo. <laughs> il dit ça avec un détachement. Après, tu rigoles tout le temps, c'est chiant pour les enterrements. Il m'a dit ça dans un ah ouais, calme olympien, tu sais. Genre, genre c'est une... Mais non, je suis d'accord avec toi. Pourquoi les chevaux sont tous éclatés au sol Bah écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'Oda, il doit avoir un souci avec les chevaux. Il les voit tous avec une langue un peu teubée. Parce que c'est vrai que le pauvre Stronger, bon, euh, non seulement il a une allure éclatée au sol, il ressemble à rien, et en plus de ça, euh, bon, Docu, c'est pas le meilleur euh... cavalier. Bon, non. Après moi, ce qui me rend fou, c'est que Pierre, c'est un oiseau qui mange le fruit du cheval, donc euh, qui soit éclaté. Je veux bien être tolérant, mais là, c'est un cheval qui mange le fruit de Pégase, donc en fait, ça lui fait juste pousser des ailes en vrai. C'est ça. Mais il est éclaté quand même. Mais il est éclaté quand même. Du coup, ça me laisse pas forcément rêveur. Non. Par contre, ça pourrait être stylé. T'as le fruit de Pégase. En vrai, si t'es un humain et que tu manges ce zoan, tu peux être un hybride. Bon, un hybride cheval, c'est pas ouf. Mais tu peux voler. T'es le centaure, t'es speed de, de larc mais t'as des ailes. C'est ça. Des belles ailes blanches comme ça. C'est le Sagittaire, en fait. Ouais, c'est ouais, En fait, vrai, le fruit de Pégase, tu deviens le Sagittaire, littéralement, quoi. Tu prends ouais. un arc à méga fête, tu fais le cosplay, tu dis non non, c'est ah, avec, <laughs> avec mon fruit, t'inquiète, c'est avec mon fruit, tu sais, il a des ailes <laughs> est ça. Il a des ailes stylées et tout, il a un corps de, de cheval, le magnifique et tout, il se balade comme ça, mais son arc est éclatant. En plastique soir, et tout, tout. Plastique. il fait non non il est avec, avec mon free, fruit, t'inquiète, je suis sagittaire. C'est que du ouais. caoutchouc là, les, ouais. les flèches c'est du caoutchouc là que tu mets sur les fenêtres. Ah, c'est ouais. ça ouais. Bon alors il va être temps de voter, je propose même on va voter. On va vous donner la, la liste et je proposerai après, parce que je sais que vous allez tous voter pour un certain fruit, donc je vous proposerai de l'éliminer juste après. Allez, déjà, euh, je vous remets la liste. On vous fait un petit récap comme d'habitude. Allez, let's go. On avait donc du coup le Ushi Uchi Nomi modèle euh, Bison, donc de Dalton, le Hito Hito Nomi tout simple de Chopper. On avait le Toli Toli Nomi modèle Faucon. Juste préciser peut-être en français le à quoi ça correspond, parce que Hito Hito. tu vois... Ouais, donc le, le fruit euh, de, de l'humain, hein, tout simplement. Le Toli Toli, donc euh, modèle faucon, l'oiseau de pelle. On avait le Mogu Mogu Nomi de notre chère euh, Miss Merry Christmas, la top. Base, hein, donc On avait le Inu Inu donc no le Toutou modèle bassé, donc l'arme qui se transforme en yinche. On avait le Inu donc le Toutou modèle chacal de chacal. Le huma no mi de, de, de pierre, hein, donc tu l'expliquais tout à l'heure, c'est le, le, le cheval éclaté au sol. Le zozo no mi, donc l'éléphant, le le, le, pardon. Le neko neko no mi, modèle léopard de Roblucci, hein, donc le, le félin léopard. On avait euh, le toutou modèle loup, donc c'est Jabra. Le Ushi, Ushi no mi, donc de Kaku. Euh, donc, euh, le, le modèle girafe, hein, le bovin, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Le Hebi Hebi Nomi, euh, d'un côté de Sandersonia, qui représente l'anaconda, et de l'autre côté de Marigold, qui représente le cobra royal. Ensuite, on avait les fruits de Minotaur, Minorinocéros, Mino, Mino Koala. on avait aussi le minochihuahua On avait le fruit de Onigumo, euh, qui représentait du coup une araignée. Euh, voilà. Ainsi que celui de dalmatien qui avait le fruit du toutou dalmatien. On avait le fruit depoida qui était le, la chenille, le Kamekamenomi du coup qui est le fruit de, de la tortue qu'avait avalé Pekoms. donc tu obtiens la, la meilleure des carapaces. Le tamatamanomi pour travailler chez KFC avec notre cher tamago hein, où tu transformes en œuf en poulet tout, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu le penses modèle... qu'il peut piocher dans son jaune? pour mettre dans savoir. une recette, non Je veux pas savoir. On a le, le, le fruit de la salamandre version euh, du coup axolot hein, de, de, de Smiley. On a euh, le mushimushinomi, euh, donc euh, version scarabée rhinocéros de notre cher Kabu. Et de l'autre côté, euh, modèle abeille de Bihan. On avait le Tolitolinomi, modèle albatros, hein, donc euh, l'oiseau euh, Morgans. Le modèle Tanuki avec ses grosses couronnes pour Bumbuku la théière. On passe aux Zoans antiques, donc avec pas mal de dinosaures, avec notamment l'allosaur de Drake, le Spinosaurus de Page One, le pteranodon de King, le brachiosaur de Queen, le pachycéphalosaure de Ulti, le Triceratops de Sasaki. Voilà, on avait le Zozonomie, donc modèle mammouth de Jack. On avait le Kumokumonomi modèle Rosamigal de Black Maria et le Tigre à dents de Sabre de Wuzhu, qui est aussi un Econekonomi, donc modèle félin. Ensuite, on passe au mythique avec le Tolitolinomi, modèle phénix, donc l'oiseau. Le Hitohitonomi, donc modèle humain, modèle Daibutsu de Sengoku, donc c'est Bouddha. Hein. Ensuite, on avait le Uoonomi euh, modèle Save donc c'est euh, le, le, le dragon. Hein. Votez hein, dans le, dans le oh, chat. Hein. Allez-y, c'est parti. Hein. Le Inu Inu Nomi, donc encore le Toutou, modèle Kubino Kitsune, donc de Katarina Devon pour te transformer en renard à neuf queues. On avait le Onyo qui te permet de te transformer euh, en humain, puisque c'est un Hito Hito C'est donc... Onyudo, ils ont inversé en fait. Onyu. Ouais, c'est ça. Hebihebi euh, Hebi no mi, donc encore une fois du, du serpent, mais modèle Yamata no Orochi, hein, donc euh, la fameuse hydre pour notre modèle occidental de Orochi, comme son nom l'indique. On avait le Inu, Inu no mi, donc encore sur du toutou, mais modèle Okuchi no makami, hein, donc ce loup protecteur mythique que possède Yamato. L'Oshitohito no mi, modèle Nika, anciennement Gomu Gomu no mi de Luffy, je n'ai pas à vous le décrire, vous le connaissez. Ensuite le Umauma no mi, modèle Pégase, encore sur un cheval qui vole cette fois-ci avec stronger voilà les amis pour le let's go on va lire vos commentaires on peut pas faire de sondage parce que c'est limité à quatre propositions là il y en a 136 c'est compliqué Zappé les naturels personne va les prendre tu veux dire les artificiels plutôt non le, 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 le... Alors, il faut savoir que les zones euh, naturelles, antiques, mythiques, euh, on part du principe qu'ils sont tous euh, inclus dans le. Bah oui. Dans, dans le truc, quoi. Le phénix, sans trop d'originalité, nous dit Talansi. Le Tori Tori no modèle phénix pour Florian également. Le kitsune. Donc, le kitsune okay. de, de. Comment s'appelle euh... Katarina Devon pour Sceaux. So. Mm -hmm. Toli Phoenix, du coup, pour euh, Grand Toutou. Grand Toutou, qu'est-ce que j'aime bien ce pseudo Le vote euh, est pour le Tanuki du côté de Nourri. Nourri, c'est aussi Tanuki. Non, il se fout de la Parce que le Tanuki, c'était euh, la théière. Après, la théière, euh, peut-être qu'elle représente bien pas tout. bien l'utilisation du fruit. Hein. Peut-être que le fruit, c'est un truc de dingue, comme on a dit. Hein. Xenocor, Peijuan ou Yamato, Kaido King pour MCDL, Stéphane Phoenix aussi. Le fruit de Marco de Luffy nous dit MCD ou Kaido Luki, d'accord. Nindo le Phoenix pour le style, la santé, le vol. Celui de Sengoku est genre complètement fumé, je pense, mais on le saura jamais. Un peu une puissance silencieuse, genre réveillé, il se passera quoi Nous dit Nerbache. Je pense. Ouais, imagine, tu le donnes à un géant. Ouais. Des mers, hein. Putain. Tu le donnes à un, un géant, mais c'est la fin du monde. Le pire en le meilleur, c'est Queen, nous dit euh, Jackie. Littéralement, okay. Bouddha. Ouais. C'est bien, il y a un peu de variantes, Mine de rien, ben ou ouais, ben je m pas. Mais euh... Franchement, je m'attendais à ce qui est mais... plus de le fil, le fil, le fil, le fil, le fil. Je t'avoue, je pensais que tout le monde allait choisir Nika. Maintenant qu'on sait que c'est un Zoan. mais pas du ouais. tout. C'est c'est varié. J'aime bien. Il va être temps de choisir nous aussi. Hein. Parallèlement à vos notes, ouais. continuez à nous dire euh, si vous nous rejoignez nouvellement ou si vous êtes encore en train de réfléchir. Dites-nous dans le chat. Pareillement, si vous regardez la rediffusion, nous on va choisir nos top 3. Comme on a fait pour euh, les précédents lives, hein, que vous avez vu sur les paraméciaux. Alors, que je réfléchisse. Hum... Le top 3. Hum... Alors j'en mets un, mais je mettrai une note. Sur celui-ci, une note, je, comment dire, un, un texte en marge. Mmh, on, va texte en marge ouais. on va dire que je le mets à part, on va dire que c'est un HS. C'est un bonus. Voilà, on va, on va dire okay. ça comme ça, Ce sera plus simple. Parce que sinon, c'est trop facile. Ok, j'en ai un. Ah, 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 ah. C'est intéressant, il y en a un hein, quand même. Je pense que je vais prendre le, le fruit du, du, du koala le moi. Mmh. Est bien avec le gros ouais, blaze et la grosse ça. bouche comme ça, j'aime bien. Et puis, les oreilles, euh... entre ça ou le cheval. Euh... Mmh, les oreilles rappellent des ailes, donc je me dis que peut-être il peut voler. Il y a Nindo qui dit, ah le compte, ah bah alors le pour la polyvalence bien sûr. <laughs> oui. Nindo il est parti d'un truc original, mmh. à un truc... Euh... Il a lâché à faire. Ah, il a lâché à faire. J'en ai un, j'en ai deux. J'ai euh, l'exception, le, on va dire. Il m'en faudrait un vrai troisième. Euh... Ouais, moi j'en ai trois. J'ai mes trois. Bah, vas-y, let's go, vas-y, annonce. Pendant que je réfléchis. Euh, en trois, euh, j'ai mis euh, le fruit d'Albert, euh, le cinquième mousquetaire. Hein Donc, euh, hein le lieu nommé modèle Pteranodon. Ah. Pour ce qu'il nous en a montré, pour ses... Euh, son, son, sa liberté et puis sa, sa, sa force de, 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 de frappe le fait que tu vois à la limite tu sors de chez toi frappe, tu dépoiles tes ailes et tu t'envoles comme ça euh, libre voilà mes troisième parce que bon, voir après. Hum, et ensuite il y en a deux bon qui sont moi tu me donnes les tu, tu, tu m'en donnes un des deux je suis content mais non en deuxième euh... la vache tu... la vache la vache. Non, en deuxième, j'ai le... mis le Uoonomi Uo modèle Seiyu, donc celui de Kaido, parce que, bon, on disait tout à l'heure, euh, le dragon est euh, littéralement, euh, je pense, mon, mon animal euh, mythologique euh, préféré. Voilà, ça, ça, je ne suis pas très original hein, en même temps quand tu aimes Dragon Ball aussi, mais bon, mais en plus, on est dragon. Je l'ai dit tout à l'heure, liberté, force, euh, feu. Euh... Ah, il, a, il a tout, hein. Un drabe, Macmo qui exemple. dit, euh, allez, le fruit du Minotaure, tout est dans le regard. Tout est dans le regard, ouais, c'est ça. Mais euh, il est très massif, tu vois, et euh, bon, c'est pas le plus pratique pour se mouvoir non plus. Euh, ou alors, il faut aller très très haut dans les cieux pour se mouvoir avec pratique. Mais maintenant, dans un monde où il faut que tu aies une certaine euh, résistance physique et où doit représenter euh, pas la peur, mais en même temps euh, que les gens se disent Bon, lui, on l'emmerde pas, euh, il aurait été numéro un Et mon numéro 1, euh, et parce que ça a toujours fait partie de mes fruits euh, préférés euh, depuis le début de One Piece, c'est le phénix de Marco. ok Celui que je choisis ce bah, C'est intéressant un comme classement, redis-moi ton troisième le pteranodon, voilà. le dragon et le phénix en numéro bon. un parce que bon, bah, tu la guérison voir que la classe nos classements se ressemblent énormément. Moi, j'ai pris aussi un oiseau en trois j'ai mis le Tolly Tolly modèle faucon, j'ai pris celui de Pelle. Je ne suis pas étonné, mais je suis pas étonné parce qu'il aurait été quatrième. Voilà. Non, mais il était quatrième, mais bon, tu m'as dit un top 3, donc... Donc... Euh, non, mais... Le fruit de Pelle, en deux Kaido, le fruit du dragon, du cellule. j'ai donné tous les arguments tout à l'heure, donc il suffit de revenir un peu en arrière dans le live, et en un le fruit de Marco. Donc on a voilà. un classement pour une fois extrêmement similaire sur le truc. Évidemment, le plus polyvalent et le plus utile dans le monde de One Piece, c'est celui de Luffy, mais on le met à part. Voilà. Ouais, je le mets à part. Et puis même en le mettant à part, ok, il est polyvalent et tout ce que tu veux, mais tu vois, je, je, je suis tellement amoureux vraiment euh, du, du fruit de Marco ce qu'il représente, sa beauté physique, tu vois, se transformer comme ça en cet oiseau euh, élégant, bleu comme ça. C'est le feu. Toi-même, tu sais que j'ai un problème avec ça. J'adore sa représentation. Les flammes bleues sont magnifiques. Tu guéris les gens. Tu vois, tu files le game. Tu, tu es presque immortel. Moi, j'adore. Et donc, même comparativement au fait que le fils est le héros, mais, euh, mais tirer les bras et tout, bah, ça ça revient même pas euh, faire la comparaison. Alors que peut-être que mmh, le fils prend Marco, il lui met une tête. Moi, hein, je suis d'accord. Moi, s'il si, euh, y avait un duel, ce serait plus ce genre euh, deuxième, troisième place ou un truc comme ça, mais pas la première aussi. Ouais. Lindo mmh. qui dit T'aimes bien voler, quoi. Mais coup. totalement, mais on l'a déjà dit en plus. Ah hein. oui, mais voler. Bah, oui, mais, mais Marco, tu te rends compte, oui. chelac, tu, 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 tu guéris les gens, tu voles. Et tu guéris les gens, on peut pas passer à travers toi. Et en plus de ça, compliqué de te battre. Il faut un putain de bon haki pour pouvoir te toucher. Donc euh, non non c'est excellent son fruit Marco. Il... Marco c'est l'un des meilleurs persos de One Piece. Bon. Mm. Excellent. son Non non, non c'est ouais beau gosse. Bah écoute pour le coup on aura choisi le même et c'est pas étonnant. Mérite. Hein. Ouais. Il mérite. Euh... mérite. Sauf so qui dit en plus tu vieillis jamais. Bah, oui, oui. On sait pas mais potentiellement. Hein, imagine. Ce Marco on, on, on l'a vu si on l'a vu vieillir quand même. Après je sais plus quand est-ce qu'il a mangé son fruit. Mais on l'a vu changer d'apparence et prendre de l'âge, Marco. Est-ce que tu finis qu tes fins de phrase comme Marco, par contre Et oui, oui, oui. Est-ce que tu parles comme ça si tu manges ce fruit Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. On peut, on, mm. on, peut, on peut se poser la question. bah écoutez, ça nous a fait plaisir de faire ce petit live. On a délibéré. On espère que vous également. N'hésitez pas. Tous ceux qui regardent la rediffusion et tout à vous exprimer dans le comment s'appelle l'espace commentaire. Je pense qu'il est temps mm. d'aller manger pour aller. Nourrir euh, cet endroit-là. Et on se retrouve très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, merci Namaste. pour votre soutien. On compte sur vous pour les partages. On vous aime très fort.